va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Avec vous, jusqu'à 18h30 aujourd'hui, Caroline Diamant, ouais, Stevie Boulet, ouais, Jérôme Bonaldi, ouais, le retour d'Éric Logérias, ouais, Yann Moix, ouais, et Yvan Le Bolloc. Ouais, vous êtes à la place, cher Yvan, de Pierre Bénichoux, qui ne vous a pas encore croisé. Qui... Ah, mon Pierrot. Eh oui, il est très triste, d'ailleurs. Il paraît qu'Yvan Le Bolloc est revenu, je ne l'ai pas encore vu. Il faut absolument qu'on fasse voilà, le rendez-vous commun bientôt dans l'émission. Mais il dort, parce qu'hier, il s'est beaucoup donné, oui. Pierre Bénichoux, dans l'émission. Ça a été assez... Il paraît. Ah oui, ça a été... on m'en parle encore. Alors que c'était un mardi, en plus. Mais il y a des mardis exceptionnels. Ouais. Aujourd'hui, c'est Stevie qui va jouer l'intello, si vous le voulez bien. Oh, on est mal barré. Oh non, il y a Yann, quand même. Non, mais parce que t'étais sérieux. Bah oui, compte pas sur moi pour jouer l'homo. Hein. C'est mon drame. Yann Moix, tout va bien. Tout. Quand j'ai mon Stevie à côté, je suis de bonne humeur. Ah oui, vous savez pas, ils sont ensemble, Yvan. Ah, ah non, oui. Ah, ouais, ouais, ouais. J'ai entendu dire que Stevie était propriétaire d'une boîte de nuit au Mans. La loge. Dans la Sarthe. Dans la Sarthe. Pourquoi vous cherchez une date pour votre groupe? Vous voulez pas accueillir Yvan et ses musiciens et ses. Oh bah pourquoi pas, mais pourquoi pas à la loge? J'ai demandé au maire qu'il puisse vous trouver une petite salle vers Oasis là-bas. C'est quoi vers Oasis? Bah, c'est dans la banlieue du Mans. C'est. ça fait rêver. Non, mais c'est une salle de spectacle là. C'est non, mais ils ont besoin d'une grande. Ils jouent à 10 dans une caravane d'habitude. Bon, au téléphone, j'ai Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent. Un message pour Jérôme et Jean-Luc, qui sont chez nous dans le public, c'est ça? Tout à fait, ils sont parmi vous, oui. Alors, voilà, ils sont là au premier rang, Jérôme et Jean-Luc. Et qu'est-ce que vous voulez leur dire? Bah, je voulais leur dire qu'on a passé une très bonne soirée samedi soir pour l'anniversaire de Jean-Luc. Ouais, bah dis donc. Ils sont en couple. Mais oui. Écoutez, arrêtez de poser des questions. Bah, non, mais oui, c'est le cas. Bah, ça se voit, franchement. Je vais pas être mes 10 ans, mais... Et alors, c'était comment la soirée? Enfin, si c'est possible à raconter, Thierry. Non, mais tout s'est bien passé. On a bien rigolé, on a bien fêté ça. Et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres encore, quoi, voilà. Embrassez toute l'équipe dont va se gêner. Tantine Sylvie et Thierry. Qui est Tantine Sylvie? Alors, Tantine Sylvie, c'est mon amie, Sylvie, voilà. Mais bon... les copains l'appellent tous Tantine Sylvie, c'est rigolo. Bon, voilà. Très bien, ouais, c'est sexy. Ah oui, c'est vrai, c'est drôle. Il a quel âge, Tantine Sylvie? Et Jean-Luc, salut. Nous, on a Tantine Stevie ici. Bon, on vous embrasse, Thierry. Bonne journée. Restez à l'écoute de Repas. Au revoir. Au revoir. Mathieu, maintenant, est au téléphone. Salut, Mathieu. Salut, bonjour à toute l'équipe. Wow. Bonjour, Mathieu. Alors, Mathieu nous écoute depuis longtemps déjà. Oui, depuis plusieurs années, en podcast à chaque fois. Ah, voilà, parce que vous habitez où? À Toulouse. Eh oui. Et vos horaires, c'est compliqué. Il n'y a pas de grandes ondes là-bas depuis AZF. En fait, je travaille beaucoup pour les Restos du Cœur et du coup, dans la journée, j'ai pas le temps de les écouter en direct. Bénévole? Oui, comme bénévole. Et surtout, vous voulez passer un bonjour à une amie très chère, m'avez-vous dit? Oui. Ma meilleure amie qui s'appelle Sanaz et qui n'a pas le droit d'écouter votre émission. Pourquoi? Alors je lui fais passer l'émission par podcast, je lui ai indiqué l'adresse et tout. Elle habite en Syrie? Elle habite à Ispahan en Iran. Et par podcast, ça marche pas. C'est pas loin. Toute l'Iran est belle. Le parlement iranien, c'est juste un truc, mais qui est magnifique. C'est ça. C'est des miroirs. Non, mais c'est des. Tout l'Iran. Tout l'Iran. Plutôt non. Que oui. Toute l'Iran. Oui, est belle. Oui, tout l'Iran, oui. Oui, oui. Oui. On n'est pas obligé de mettre tout au féminin, même l'Iran. Ça les amuserait en plus. Surtout que les mollas, c'est moyen. Enfin bon. Les turbans roses, c'est très, très, très rare quand même. Votre copine nous écoute donc en podcast, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je lui ai montré comment on faisait sur Internet. Alors, elle a un truc anti-filtre gouvernemental. Ah oui. Et du coup, elle peut vous écouter tous les jours en podcast. Mais comment elle s'appelle qu'on l'embrasse, alors? Elle s'appelle Sanaz. Sanaz. Mais c'est gentil de donner son nom si elle n'a pas le droit de faire. C'est prénom, super dangereux. Risquer la peine de mort en écoutant les conneries de Beaugrand. Oui, c'est quand même con d'être pendu à cause de Le Bolloc et Stevie. T'imagines un peu. Sanaz, tu as bien vécu. Elle risque rien, Sanaz. Non, je lui ai pas donné son nom, donc ils savent pas, ils pourraient pas remonter sur elle. Bon. Bon, mais enfin, elle, c'est pas grave, mais nous, est-ce qu'on risque quelque chose? on vous embrasse et on l'embrasse elle aussi, évidemment. On blaguait, ça va de soi, et on vous embrasse, bien sûr. Mathieu. Salut à tous vos copains de Toulouse et d'Iran. J'ai aussi... un message de Jean-Louis. Jean-Louis n'était pas très content hier parce que quand nous avons passé de la musique de Richard Clayderman, nous avons parlé sur la musique de Clayderman et il a dit « ça ne se fait pas, pour une fois qu'on passe du Clayderman à la radio, vous ne devez pas parler dessus ».
Et il a raison. Oui, quand on entend un morceau comme ça, ouais, on se tait. On se tait. Laurent, il faut aussi se taire dans les ascenseurs, c'est dans pareil. Les parkings, partout. Non ouais. Ah oui. Dans les sanisettes, partout, il y a du Lederman. Faut... Non, mais il en a marre, Richard Lederman, qu'on dise ça de lui, que c'est de la musique d'ascenseur, que c'est de la musique. Il le dit lui-même. Oui, mais il en a marre. Il aimerait qu'on apprécie. Tu peux me trouver l'interview où il dit ça, s'il te plaît? Oui, dans le Figaro, aujourd'hui. Oui. Et dans le Parisien, il y a deux jours. Il dit qu'il aime qu'on écoute les musiques dans les ascenseurs. Qu'il aime qu'on l'écoute de toute façon et qu'on vende 80 millions pour les ascenseurs. Pour le reste, il s'en fout. Pourvu qu'ils les vendent. Et qu'il regrette de ne pas avoir en France pour pouvoir faire de concerts. Il en fait partout dans le monde, même en Belgique, juste à côté. Mais moi, j'aimais bien quand j'étais petite. Moi, je me taisais à l'époque. Et alors, il est connu partout dans le monde, Richard Lederman. Ah oui. Ah oui. Par exemple, en Russie, vous connaissez Richard Lederman? Ah, nie spoznaty się Lederman. Il se mange à и петь на вода шейскот, и точно вода вода ёс мнёт, и вода вода гёт. Ah oui, et en Belgique aussi. Oui, sûr, oui, bien sûr, nous aimons beaucoup. Surtout chez moi, à Verviers, nous avons une salle de concert, ça s'appelle la salle Richard Lederman. Et en Chine, jusqu'en Chine, ça c'est vrai en c'est plus. C'est moi, dans le nord. Je sais qu'il adore quand je fais les accents asiatiques. Et dans les pays arabes, pareil. Une carrière internationale. On va être interdit à mon avis là-bas. Au Danemark. Un artiste international. Et au Mans. Oui, on l'adore avec son grand piano blanc. On l'adore énormément. À piano à queue. On l'écoute à la loge, on danse que la tutane. C'est scandaleux. Un artiste de la Sarthe. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par vous, Éric Logérias, puisque c'est François Renucci qui était assis à cette place hier et c'était lui le vainqueur, quoi qu'en dise Christophe de Chavannes qui a protesté. Mauvais joueur. Ah non! Enfin, il prend ça très au sérieux. Ah, mais quand il veut gagner. Quand il veut gagner, il veut gagner. Ah, ouais. C'est pas comme vous, faites tout pour perdre. Mais non, je fais tout pour gagner maintenant. J'ai changé. Tout pour perdre et c'est réussir. Alors attention, 1,5 milliard d'euros, c'est la somme allouée par François Hollande, au plan cancer. Au plan cancer, j'ai cru que vous alliez me répondre, le plan avec Gaillet, mais non. Attention, le plan anti-cancer, parce qu'il est contre. Hein. Ah oui, bien sûr, il est contre le cancer. 1,5 milliard d'euros, bonne réponse d'Éric Logérias. Justement, puisqu'on parle du prix du tabac, qui peut-être pourrait augmenter encore, et de ce plan anti-cancer, 1,45 milliard d'euros, pouvez-vous me rappeler, cher Jérôme Bonaldi, le nom de la ministre de la Santé qui est en charge de lutter contre le cancer? Marisol Touraine. Marisol Touraine, excellente réponse. Stevie Nicole Garcia a fait tourner son fils dans le film Un beau dimanche, mais comment s'appelle-t-il? José Garcia. Ouf. On n'est jamais déçu. C'est le nom du papa. Avec Stevie, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est jamais déçu. On vient de nous signaler une tentative de suicide chez Nicole Garcia. Rochefort. Oh, bah. Et oui, qu'elle a eu avec Jean Rochefort, Stevie. Ah, Jean Rochefort, j'aime bien le père, oui. Ah, bah quoi, je crois que le fils est très séduisant aussi. Rochefort est très séduisant dans ce film Un beau dimanche qui sort aujourd'hui avec aussi Louise Bourgoin, très séduisante elle-même, et Dominique Sanda. Yann Moix, une question qui concerne maintenant le procureur général de Paris qui est poussé à quitter son poste contre son gré, mais Madame Taubira a dû affirmer ce matin face au lever de bouclier que finalement il resterait procureur général de Paris. Mais comment s'appelle-t-il? Aucune idée. On n'entend que depuis ce matin. Le procureur général de Paris, Faletti, allez. Ah, il fallait pas, vous êtes éliminé, Yann Moix. C'est à vous, Yvan Le Bolloc. Qui a-t-on vu hier se fâcher tout rouge et confisquer la caméra d'un journaliste de BFM TV? Patrick Balkany, bonne réponse, Yvan Le Bolloc. Caroline Diamant, la justice a condamné hier Jean-Christophe Mitterrand à verser 38 000 euros à qui donc?
de l'argent qui avait été prêté à la maman de Jean-Christophe Mitterrand pour aider à payer la caution de Jean-Christophe Mitterrand. Anne Pinjot ? Non, c'était Roger Hanin. Roger Hanin. C'est Roger Hanin. Vous êtes éliminé, Caroline Diamant. Jean-Christophe, je suis très mécontent, tu sais. Alors, c'est à vous, Éric Sogérias. Tu aurais mieux fait de fermer ma gueule. Qui a été sanctionné pour une faute anodine et a immédiatement été expulsé après qu'il ait traité l'arbitre et insulté en lui disant « Fuck you !» Un anglais, ça. Non. Justement, non. Bah non. Vous savez, Caroline, oui. Allez-y. Le fils de Yannick Noah. Joachim Noah, vous êtes éliminé, Éric Logérias. Il reste donc Jérôme Bonaldi contre Yvan Le Bolloc. Jérôme Bonaldi, hier. Le Paris Saint-Germain. Oui. A éliminé Nantes en demi-finale de la Coupe de la Ligue. C'est bon. Pouvez-vous me donner le nom du footballeur qui a marqué les deux buts parisiens? Je prends celle-là. En merci, plus, chef. C'est ta faute. C'est toi qui as voulu me faire réviser alors que je savais c'est tout. C'est vachement dur. Zlatan Ibrahimovic. Oui, Jérôme Bonaldi. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Aujourd'hui, dans toutes les bonnes salles de cinéma, Yvan Le Bolloc sort un film américain qui s'appelle American Bluff, avec Christian Bale, avec Bradley Christian. Cooper. Mais quel est le nom de l'actrice féminine principale de ce film? Ou une des deux, puisqu'il y a deux actrices connues dans ce film. C'est pas Heather Locklear ou... Brandon Sean. À moins que ça soit Julie Christie, non? C'est Amy Adams. Amy Adams. Et Jennifer Lawrence. Eh oh, oui, Caroline, oh. Vous êtes éliminé. Le Bolloc et le grand gagnant est Jérôme Bonaldi. Oh, qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Et là, alors j'ai gagné quoi? Vous n'êtes pas venu pour rien, Jérôme. Oh la vache. Vous gagnez oh la vache. Le nouveau livre, elle en sort un tous les deux mois, de Macha Merrill. Je ne sais pas comment elle fait. Avec le nombre d'éditeurs qu'elle doit coucher, j'en sais rien. Mais vous l'avez bien connu, vous, Macha. Les mains dans les nouilles, ça s'appelle, non? Ah, c'est encore sur l'amour. Macha Merrill, l'amour dans tous ses états. C'est les nouilles ou l'amour? Voilà. C'est l'un ou l'autre. Hop là. Belle arrière-grand-mère. C'est chez Fayard, c'est signé Macha Merrill. Et aussi. Non, c'est Janine Boissard. Mettez un livre dans mon cercueil chez Puf, c'est signé Macha Merrill. Non, c'est Michel Pollack. Ah oui, c'est le... Ah, c'est un livre posthume. Mais c'est quoi? C'est un livre posthume, préfacé par Clément Rosset. C'est le choix des chroniques de Michel Pollack, publié non seulement dans Charlie Hebdo de 97 à 2009, mais aussi dans l'événement du jeudi. Voilà, des textes de Michel Pollack qui sont recueillis, collectés et édités chez PUF. Puf, mettez un livre dans mon cercueil. Presse universitaire de France. Très beau livre, j'en suis sûr, parce que c'est le même auteur qui avait écrit L'immeuble Yacoubian. Ça avait été un film, un succès égyptien. Et le même auteur publie chez Actes Sud. L'auteur s'appelle Ala El Aswani. Et là, ça s'appelle Automobile Club d'Égypte. Ça vous plaît, ça, Jérôme? C'est celui qui a vécu en Égypte très longtemps, qui est un peu recherché actuellement et qui a des emmerdes avec c'est les un roman traduit de l'arabe. Qui c'est chez Actes Sud. C'est un bon éditeur, Actes Sud. Vous êtes d'accord, Yann Wax? Oui, vraiment. Et puis un dernier. Génération Kalachnikov, les nouveaux gangsters, c'est signé Macha Merrill. C'est les éditions de Marseille. Le mec qui fait une fixette. <Mais non. rire> Est-ce qu'il y a des livres qu'elle n'a pas écrit ce mois-ci, Et c'est chez Fayard, non, c'est Frédéric Ploquin qui raconte la génération Kalachnikov. Plutôt bon journaliste. Grand reporter au journal Marianne. Ouais. Voilà, Bonaldi. Et une petite musique en plus, vous voulez? Allez. Corneille, les sommets de nos vies. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ah ben il manquait plus que vous, Paul. Tiens, bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Trop, peut-être? Non, vous n'êtes pas trop, au contraire. J'ai tellement d'enquêtes à vous confier. D'abord, une question qu'on s'est posée hier avec Pierre Bénichoux pendant l'émission à propos de l'héritage de 3 millions de Nelson Mandela. D'où vient cet argent? C'est vrai qu'on s'est posé cette question, on s'est dit, mais après tout, tiens, comment se fait-il, alors que cet homme a été en prison pendant tant d'années, qu'ensuite il a fait de la politique, comment on peut gagner 3 millions en politique? Il me semble que quand on remet le prix de la... le Nobel de la paix, il n'y a pas des prix qui vont avec, de l'argent, des primes? Pas de couronne. Un million de couronnes, déjà. Et ben, y a les droits d'auteur. Les droits d'auteur, les droits d'auteur, les Il va nous dire. Vermus, vous allez nous dire.
Germain. Bah, je vais vous le dire, de toute façon, j'ai mon cousin Germain qui habite en Afrique du Sud. Sans rire. Avec le pouvoir. Mais quel baltre. J'ai même entendu parler d'une émission de télé-réalité qui aurait versé des subsides à Nelson Mandela. C'est vrai ? Bah oui, oui, j'ai lu ça dans la presse. Vérifiez, bon, après... tout ça, hein. Ouais, c'est Love Story, c'est pour des gens qui restent enfermés, mais plus de 23 ans. Voilà. Qu'est-ce qui fait votre cousin Germain en Afrique du Sud, Paul ? C'est des photos de mode. Des photos de mode, ça alors. De charme. Mais vous direz, il les prend en photo ou lui, il est mannequin ? Il est photographe. Ah oui, je me disais, dans la famille Vermus, ça m'étonnait aussi. Bah, vous plaisantez, non ? 3 millions en tout cas, ça nous paraît beaucoup. D'où vient cet argent, Paul ? Très bien, Laurent. Challenge suivant. Je suis à vos ordres, Paul. Vous connaissez Fauve, j'imagine, Paul. Eh bien, écoutez, c'est formidable. C'est formidable. Écoutez, ce groupe, il y a du génie en eux. Vous savez combien souvent je suis conservateur et rétrograde. Mais là, j'ai entendu la dernière fois un air de Fauve. Les bras m'en tombaient. C'est brillantissime. Je veux savoir, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène Fauve ? Parce que moi, je veux bien Internet, tout ça, j'y crois volontiers aux artistes qui se font connaître sur Internet. Mmh. Sauf que quand même, il y a une stratégie marketing derrière absolument hallucinante. C'est-à-dire qu'il y a quand même, allez, on va dire à peu près 2 semaines, jamais on n'avait entendu parler, nous, en tout cas, je ne parle pas de ceux qui vont sur Internet. Oui. Mmh. Ma fille, ça fait un an qu'elle est branchée sur les sur jeunes. Fauve. Mais c'est pas, on n'est pas du tout dans la cible, Laurent. On est d'accord. 13, 10, 16, 13, 16. D'accord. Ouais. Mais sauf que depuis 2 semaines, il n'y a pas un magazine, pas un hebdomadaire, pas un journal qui n'est pas consacré au minimum une page, quand ce n'est pas 3, 4 pages, quand ce n'est pas la couverture. 8 pages dans Libé. 8 pages dans Libé au groupe, au phénomène Fauve. Il y a un attaché de presse. Parce qu'on nous dit oui, alors surtout, ils ne sont pas tombés dans le marketing, il n'y a personne qui s'occupe d'eux, ils n'ont pas de manager. Non, ça, c'est sûr que ils font tout eux-mêmes. Je ne peux pas croire ça. C'est pas vrai. Il écrit les textes. Mais ils font effectivement tout eux-mêmes. Moi, j'ai acheté le disque hier pour ma fille. C'est un très beau cadeau, elle m'a dit merci papa, mais je la connais, je l'avais déjà piqué sur internet depuis très longtemps. Donc ça intéresse aussi les enfants de 45 ans. Non. Arrêtez. T'es gentil. Il n'y a pas de label. Le mec était en train de le terminer dans le rayon de la FNAC quand Jérôme l'a pris. Il n'y a pas de label derrière, il n'y a pas de directeur. Il y a un distributeur. Il y a un distributeur, c'est tout. Mais eux, ils ont 30-35 ans et visiblement, on l'écoute au texte d'ailleurs, ils sont très bien éduqués et ils sont eux-mêmes marketeurs. Alors gros, je crois qu'il y a un avocat, il y a un médecin et c'est eux-mêmes qui font le marketing. L'enquête à ma place, c'est pas la peine de me donner des enquêtes pour raconter votre blabla. Pardon, Paul. Ne serait-ce que l'attaché de presse qui, quand même, là, franchement, a fait un boulot incroyable. En 2 semaines de temps, mais ça. Voilà, les journaux ont été inondés du phénomène Fauve. Ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui s'occupe de leur communication. C'est pas possible autrement, Paul. Le lancement du phénomène est vachement malin. Ils sont déjà passés aux Eurockéennes de Belfort il y a quelques temps où ils jouaient sur une petite scène parallèle. Et quand ils sont arrivés, il y avait plus de 10 000 personnes qui étaient une foule en délire. Et je rappelle que donc ils ne veulent pas être filmés et qu'ils sont toujours dans la pseudo-pénombre. C'est les Daft Punk. C'est un peu le même esprit. Mais c'est pas très joli sur scène. Ils bougent pas les masses. Ils font le Bataclan, c'est archi plein. Ils doublent les dates. Et on ne peut les photographier que de dos. C'est un gros, gros phénomène. C'est nos gamins, nos 13-16, dans tous les lycées, c'est formidable. Vous ne pouvez pas me faire croire que vous avez des enfants de 13-16 ans, Bonaldi. Mais si, il a fait des petits-enfants. Bah, oui, j'ai une fille de 13 ans et demi. Vous avez une fille de 13 ans et demi. Oui. Mais vous l'avez faite quand ? Elle s'appelle Valentine. Il y a 13 ans et demi. Elle, à 14 ans. Il l'a fait avec une des infirmières de la maison de retraite. Non, mais il y a 13 ans et demi, ça marchait encore alors. Mais elle vous fait à manger tout le temps, dès qu'il y a des crêpes, c'est elle qui les fait. Justement, je pensais qu'elle avait 40-50 ans, moi, votre fille, vous voyez, Jérôme. Troisième enquête, Paul. Alors là, on peut dire, c'est un film qui a... Ah, parce que là, elle a fini la deuxième enquête, là. Maintenant, il va venir avant. Il revient. Vous écoutez souvent notre émission, Vivant. Ah, d'accord, il revient après, d'accord. Il revient, parce qu'il faut quand même le temps qu'il enquête. Mais tu verras, ça change pas grand-chose. Bip, bip, bip. Oui, Paul. C'est pas très gentil que vous dites ça. Vous faites confiance et vous ne dites rien contre ces critiques acerbes. C'est Yann Moix. Qu'est-ce que je peux dire contre un prix Renaudot, Paul? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Puis Yann Moix, c'est l'intelligence et la culture. Oui, mais je vous adore, Paul, vous le savez. Ouais, troisième enquête, ouais. Paul Vermus. Alors là, les bras m'en sont tombés et j'aimerais que vous m'en disiez plus sur une affiche de film que j'ai trouvée dans Libé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez feuilleté Libération aujourd'hui. Là, il y a une affiche de film, un bleu, fond bleu, vous voyez. Le titre, c'est « La Quepa sur la Vigny ». Alors déjà, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce titre-là de film, « La Quepa sur la Vigny » ? Alors, en enquêtant, j'ai quand même pu voir que c'était en fait un anagramme. « La Quepa sur la Vigny », ça veut dire en fait « Panique sur la ville »,
La quepa sur la ville Nice et panique sur la ville en anagramme. Ça, c'est rien, le titre, déjà. Bon, le titre, bon, pourquoi pas un titre un peu bizarre. La quepa sur la ville Nice, un film de Yann Lekelec, bon, qui sort le 12 février. Et alors, c'est surtout le casting du film. Écoutez-moi bien. Qui joue dans ce film ? Oh putain. Alors d'abord, il y a les critiques qui sont en haut de l'affiche. Hein. Joyeusement foutraque et furieusement burlesque. Immanquable, d'après les Inrock. Immortel Bernard Menez dans Rock et Folk. Non. Alors Bernard Menez, c'est rien, parce que Bernard Menez, il tourne dans de très bons films. Ça, il n'y a pas de problème avec Bernard Menez. Mais c'est le trio d'acteurs. Bernard Menez, Christophe, le chanteur, Christophe, et Bernard Hinault. Oula. Oula. Là, il y a un truc qui ne colle pas. Ah oui, oui. C'est le blaireau, c'est un ancien champion cycliste. Bernard Hinault, Christophe et Bernard Menez, jamais j'ai vu un casting aussi bizarroïde. Vous voyez, mais je ne savais pas que Bernard Hinault était devenu acteur d'abord. Et Christophe non plus. Christophe non, plus. Ça ne m'étonne pas que le cinéma fasse appel à lui. Mais... Bernard Menez, bon, pourquoi pas. Non, mais là, vraiment, il faut qu'on en sache plus sur ce film réalisé par Yann Lekelec. Prix Jean Vigo 2013. Mais oui, alors moi, j'ai cru. C'est une blague, vous croyez de Libé ? Non, je n'ai pas l'impression. Non. Qu'est-ce que c'est que ce film, Paul Vermus ? La quepa sur la ville Nice. Eh bien, dites donc, on fait des enquêtes bizarres aujourd'hui. Hein. Ouais. Ah, bah oui, mais. Et enquête bizarre pour journaliste bizarre, vous devriez bien vous débrouiller, mon polo. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Patricia, bonjour Jérémy. Bonjour. Jérémy est à Grenoble, Patricia à Mozac, c'est où ça Mozac ? C'est près de Clermont-Ferrand. Bah voilà, tout simplement, en Auvergne. Vous êtes auvergnate depuis toujours ? Oui, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins ? Oui, je suis auvergnate. Faut pas avoir peur, alors faut assumer. C'est bien l'Auvergne. Oui, tout à fait. Et faites quoi dans la vie, Patricia ? Alors, je suis aide-soignante. Je travaille auprès d'adultes handicapés mentaux. Patricia fait un beau métier. Et qu'est-ce qu'elle a mangé hier soir ? Oh, ne riez pas. Nous avons mangé des quenelles. Ah bah. Moi, c'était avant-hier. Il n'y a pas de raison. La quenelle reste un plat qu'on peut tout à fait manger dignement. Longtemps que j'ai pas mangé une quenelle. J'ai jamais mangé de quenelle. Ah bon ? Ah bon ? Ah non, c'est plutôt morto, je suis pas. Ah, fumé alors. Patricia, je vous présente Jérémy, qui est grenoblois, lui. Salut Jérémy. Bonjour, bonjour à tout le monde. Étudiant, je suis sûr à Grenoble, il y a toujours des étudiants. Non, je suis pas étudiant, je suis ingénieur en géophysique. Ah bah, ingénieur à Grenoble, comme disait. Oh là là, ingénieur en géophysique, ça jette bien. Ouais, ça. Géophysique du globe et tout. Ça va pas m'empêcher de vous demander ce que vous avez mangé hier soir, Jérémy. Bah, c'était simple, c'était une soupe et du fromage. Ah ouais, ouais. Ça, les ingénieurs, ils ont une vie difficile. Mais il a l'air très jeune quand même. Surtout que je rentrais du ski, donc j'étais un peu fatigué, j'avais pas envie de faire à manger. Ah, parce que vous skiez dans la journée en plus. Ouais. Vous skiez la nuit, vous ? C'est l'avantage. Non, mais c'est la. Je veux dire, il travaille et il skie. C'est l'avantage d'être à Grenoble, évidemment. Ouais, exactement. Jérémy, Patricia, vous allez peut-être partir un peu plus bas, à Saint-Rémy-de-Provence. Le Mas Valentine, hôtel 4 étoiles, vous attend avec son restaurant gastronomique, la Table de Valentin. Un week-end de charme, 3 jours de nuit en formule petit déjeuner, chambre double avec dîner gastronomique. Plus d'informations sur www.masvalentine.com. La question est assez facile. Il faut aller, évidemment, plus vite que mes camarades. Vous avez 10 secondes de répit pour trouver la réponse. Patricia et Jérémy, êtes-vous prêts ? Oui. C'est la une du journal L'Humanité aujourd'hui que je vais vous demander de compléter. À la une de l'UMA, Hollande recule encore. C'est la honte de... De quoi ? La honte de la République ? La famille, oui, Patricia. La bonne réponse, Patricia. La honte de la famille. J'ai entendu quelqu'un vous souffler, je me trompe ? Oui. Marie, c'est Alexandre. Il faut qu'il serve à quelque chose. Eh ben oui, quand même. Non, mais il sert à plein de choses. La honte de la famille. C'est un bon titre, d'ailleurs, pour le journal L'UMA. François Hollande, la honte de la famille. Bah alors, Jérémy ? Bah, trop tard. Retour. Ça prendra à lire que le Figaro. Vous aviez personne pour vous, personne pour vous souffler ? Non, personne pour me souffler, puis Internet passait rapide. Et ben voilà. Et c'est Patricia et son époux qui vont partir ensemble à Saint-Rémy-de-Provence. Vous partez avec votre mari. Merci, je suis trop contente. Il est utile, manifestement. Oui, mais il est utile à plein de choses. C'est un mari adorable.
Patricia et Alexandre, profitez bien pour la Saint-Valentin. Je vous signale que le chef du Mas Valentine, Christophe Carlier, vous proposera un menu très gourmand à déguster au rythme du son du piano rouge de Jérôme Medville, qui est le fils que Richard Clayderman a eu avec Macha Merrill. Et les pianos rouges à cause de l'humanité. C'est toute une histoire. C'est la honte de la famille. Et on vous souhaite un joli séjour, Patricia, d'accord ? Merci, c'est super sympa. Je suis vraiment trop contente. Je vous écoute tous les jours, radio, télé. Moi, je vous suis depuis très, très longtemps, Laurent. Je vous ai vu évoluer. Je vous adore. C'est-à-dire, vous m'avez vu évoluer. J'étais à quatre pattes au départ. J'étais à quatre pattes au départ. Vous m'avez vu évoluer. Non. Pas quand même, mais je vous suis depuis très très longtemps, vraiment, je suis une grande fan, j'aime beaucoup ce que vous faites. Vous l'avez connu quand il avait des moustaches ? Non ! Oui, oui, il est beaucoup plus beau maintenant quand même. Il faut un début à tout. Non, on l'adore, mon mari aussi, mon mari l'écoute dans le train. Et nous, on doit se faire tout ça, et allez, vas-y, et la brosse. Je crois que je vais voilà. Flasher sur l'autoroute en train de rigoler. Continuez encore, oui, allez-y. C'est bon, ça fait du bien. C'est bon, il prend une douche, Laurent, de compliment. Ah là là. Jérémy, t'es déjà parti au ski, moi. Ça fait plaisir. Bah, écoutez, Patricia Ruquier, nous vous remercions. De votre appel désintéressé. Allez, une autre question. Peut-être lisez-vous les éditos de François Sergent dans Libération. Et chaque jour, François Sergent aime utiliser des mots nouveaux. Déjà hier, je ne sais pas si vous avez entendu sur Europe 1, Thomas Soto cherchait l'explication avec Julie, qui a toujours son dictionnaire à portée de main, sur un mot qu'avait utilisé François Sergent dans son édito et que manifestement personne ne connaissait. Et là, pareil, c'est un mot un peu plus connu quand même, mais le titre de l'éditorial de François Sergent, vous allez le trouver, j'en suis sûr, signifie très exactement, puisqu'il parle évidemment du fait que le gouvernement est reculé sur la loi de la famille. Alors je vous donne évidemment ce que signifie le titre de François Sergent et vous allez me retrouver le mot en question. Symptôme psychiatrique qui se traduit par une incapacité à exécuter les actes pourtant planifiés, une grande difficulté à prendre des décisions. La procrastination. Non. Oh là, dis donc. Oh là, les trois cons qui refoutent tout au lendemain, tu sais. Ouais. Un symptôme proche de l'apragmatisme. Dans l'apragmatisme, il n'y a pas de planification ni d'intention d'agir, contrairement à ce qui est constaté chez les patients présentant une... La boulie. Aboulie. Excellente réponse. C'est à qui? Aboulie, mon ami. C'est-à-dire une aboulie. L'aboulie. Connaissiez le mot? Incapacité. Non, honnêtement, non. Voilà. J'aime pas les mots avec boule dedans. C'est incapacité d'agir, c'est ça? L'aboulie traduit la diminution, l'insuffisance, voire la disparition de la volonté. Et le sujet éprouve des difficultés à mettre en œuvre toute action. Voilà. D'accord. Mais c'est pas la dépression, ça? L'aboulie. Oui. Pensez que notre président sera en pleine dépression. Bah, écoutez, je trouve que ça fait symptôme de dépression. Quand on n'a plus d'envie, qu'on n'arrive plus à rien faire et que... Ça fait un peu symptôme de dépression. T'imagines si tu dis je suis un peu en aboulie. Vous l'utilisez souvent, Yann Moix, ce mot aboulie? Tous les samedis. Parce que ça rime. Samedi, c'est aboulie. Mais lundi, c'est aboulie. Stevie, vous connaissez, parce que l'aboulie, ça vient de... Peut-être... Non. Je ne connaissais pas. C'est pas votre surnom? Non. Est-ce que regarde, il y a l'aboulie qui est là-bas. Il a beaucoup maigri aussi. Non. Voyage en aboulie avec Stevie. La boulie de Geisha. Oh, oui. Vous connaissiez pas la boulie? Non, je connaissais pas. Ben voilà, c'est le titre de l'édito de François Sergent dans Libération qui nous apprend un mot par jour. C'est chouette quand même. Ah, moi j'adore apprendre des nouveaux mots. Vieille tradition des éditos. Hein. Ben, on reste dans la politique, tiens. Et là, c'est pas de François Hollande, mais de Manuel Valls dont je vais vous parler, puisqu'on dit quand même que c'est lui qui a un peu provoqué le report du projet de loi sur la famille. Hein. Il prend un peu trop d'importance, selon certains ministres, au sein du gouvernement. Il y a même un proche, un pilier du Parti socialiste, qui résume dans Le Parisien aujourd'hui comment Manuel Valls gère la situation du moment. Il est un peu groggy, nous dit ce pilier du Parti Socialiste, Valls. Il est un peu groggy parce qu'il était à 3 mètres de Matignon avant Noël et qu'il a reculé de quelques kilomètres, vous voyez, dans les indices de popularité, à cause de l'affaire Dieudonné, entre autres. Et aussi, et c'est ça qui est intéressant, et la question porte sur cette phrase, lue dans Le Parisien aujourd'hui, lui et sa femme, donc Manuel Valls et son épouse, Anne Gravoin, lui et sa femme avaient joué la carte. Quelle carte? Mais ça concerne aussi sa femme, la phrase, alors. Ah ben, la carte citée... Trierweiler. La carte Trierweiler. Oh, bonne réponse de Yann Moix. Ah, ils étaient proches. Incroyable. De... Bah.
Non, mais ça paraissait logique. C'est toujours là qu'on choisit une mauvaise, une bonne carte. Souvenez-vous, Rachida Dati, etc. Avec qui avait choisi voilà. Cécilia Sarkozy. Eh oui. Tous ceux qui avaient choisi Cécilia étaient partis. Ils ont reculé, oui. Ouais, étaient partis à Los Angeles au lieu d'aller à Matignon. David Martignon, il s'appelait. Et donc Manuel Valls aurait choisi la carte Valérie Trierweiler. Et évidemment, là maintenant. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche, quoi. Oui. Ça arrive, ça, hein, ce genre de mauvais plan, non? Oui. C'est fascinant, la France. Pourquoi? En fait, les gens de gauche adorent les types qui sont de droite, Manuel Valls. Oui. Et les gens de droite adorent les types qui sont de gauche, comme Jacques Chirac. Oui. Et ça prouve bien qu'en fait, la malédiction, c'est que maintenant que les élections présidentielles tombent toujours en même temps que les législatives, on n'aura plus jamais ce que la France préfère, c'est-à-dire la cohabitation. Oui, et en même temps, on reproche à la Ve République d'être à bout de souffle, parce que voilà, finalement, c'est la politique de la France, elle se réduit à la volonté d'un seul mec. Et c'était un peu absurde quand même, parce que à quoi sert l'Assemblée nationale? À quoi servent les députés? Depuis qu'on a inversé les élections, ça ne sert plus à grand-chose. Hein. Tu fais d'abord le président de la République, et puis après, tu votes les législatives pour lui faire une majorité. Et du coup, ben, les députés ne servent plus à grand-chose. Sans godillot. Je vous laisse parler. Hein, pas intéressant, mais je vous laisse parler. Mais nous, ça nous intéresse. Je me demande si je ne serais pas en pleine aboulie. Ça sera coupé. Pour quelle raison est-il difficile, compliqué de voir le visage du Suédois Joel Kinnaman dans la presse aujourd'hui? Parce qu'il n'a pas de visage? Non. On lui a coupé la tête? Non. Parce qu'il fait partie du groupe Fauve. Fauve. Fauve, non. Je crois qu'il est à Sochi et il s'entraîne avec un casque. Le Suédois? Le Suédois. Joel Kinnaman. Voilà. Pas du tout. Il fait de la Formule 1? Non. Oui, plus. Oui, c'est facile. Oh. C'est facile. Oui. Excusez-moi. Ça s'appelle un mini orgasme. Oui, oui. Allez, oui, oui. Elle a eu un petit peu de plaisir quand même là. Hein. Allez, vas-y, pousse. Oh, oui. Oh, l'endorphine. C'est pas le nom d'un héros d'un film d'animation écossais créé par Mathieu Amalzieu? Ah, pas du tout. Ok. Voilà, là, l'histoire du film écossais de Mathieu Amalzieu. Oui. Ok. J'ai cru à un moment donné qu'elle avait la réponse. Ah oui, mais pas du tout. Le Joël, il existe vraiment. Ah oui, il existe vraiment. Il est vivant. Joël Kinnaman, on peut même dire qu'il n'est pas très chanceux parce que voilà, il pourrait avoir sa photo dans la presse et puis non, il ne l'a pas. C'est un sportif. C'est un mec qui est genre un remplaçant. Il y a quelqu'un qui était blessé qui est revenu à temps. C'est le remplaçant de Omeyer. Pas du tout. Tu peux arrêter de jouir à l'antenne. Oui. Ah, c'est pas le remplaçant d'Ibrahimovic? Le remplaçant de Zlatan Ibrahimovic. Oui. Ils viennent d'engager, là, c'est vrai, au Paris Saint-Germain, un nouveau Suédois. Ouais. Ah, voilà. Ça se saurait, vous voyez, Joël Kinnaman. Mais non. Est-ce que c'est sportif? Pas du tout, madame. Est-ce que c'est culinaire? Est-ce que c'est un Breton qui a vendu la recette du Kouign-amande à Joël Kouign-amande? Joël Kouign-amande. Mais il faut pas que ça se sache. Il a pas le droit de montrer son visage? Non, c'est pas ça. C'est une question de circonstance. Il est brûlé à l'acide. Non. Moi, je pense que... Oui. Il est caché derrière quelqu'un. On peut dire ça. Ah, il est en arrière-plan? Non plus. Ah. Il est la doublure d'eux, le sosie d'eux. On pourrait avoir sa photo dans la presse ces jours-ci. Et puis, à chaque fois qu'il y a sa photo, on ne le voit pas. Pourquoi? Il y a Poutine qui est toujours devant lui. Poutine devant Joël Kinnaman. Pourquoi c'est Poutine lui qui a eu, parce que c'est lui qui a eu le rôle de l'homme invisible. Aucun rapport avec la Russie. Aucun rapport. Ouais. Est-ce lui qui a eu le rôle de... De l'homme invisible? Non. Mais c'est parce qu'il joue en mouvement, il court très vite. Attendez. Vous avez dit, quand il a dit c'est lui qui a eu l'homme invisible, vous avez... Le rôle de... Non. Le rôle de... Alors ce nom... Ouais, donc il y a quelque chose à voir avec le cinéma. Oui. Ah, c'est la momie. Dans la momie. Non, c'est Robocop. Ouais, c'est Éric Logérias, le premier qui a donné la bonne réponse. Et oui, c'est l'acteur qui joue dans Robocop. C'est vrai que c'est con, ça. Oh, ça m'a bête. Toujours fait de la peine. Pour et oui, on a des photos de lui dans toute la presse, mais on ne voit jamais son visage. C'est Robocop. Oui. Je n'arrive pas à me rappeler. Ça fait quand même 2-3 jours là qu'on nous annonce le retour de Robocop sur les écrans, parce que ça fait quoi, une vingtaine d'années qu'il n'y avait pas eu Robocop. Hein. Le premier Robocop, c'est même plus que ça, c'était en 87. C'était Paul Verhoeven qui avait réalisé le film. Là, c'est un Brésilien qui fait le nouveau Robocop. Et je n'arrive pas à me rappeler. Il y avait une vieille blague à l'époque. Je sais pas. Robocop, il a fait une pipe à je sais pas qui, ou t'as fait une pipe à Robocop, ou Robocop t'as fait une pipe. Ah, ça doit être quelqu'un qui a les dents. Ça m'énerve. Je voudrais qu'elle me revienne. Et c'est un appel, c'est un appel aux auditeurs. Robocop. Si vous vous souvenez de la très bonne blague avec Robocop, les RTL, ils ont dû la faire hier. Qu'est-ce que vous faites, Stevie? Je peux savoir? Rien. Il cherche le net. Non, je regardais si je trouvais, mais non, je trouve pas. Tu tapais pas Robocop, tu tapais pipe, toi. Non.
Une question musicale. Tiens, je vais profiter de la présence d'Yvan Le Bolloc, qui est peut-être celui qui s'y connaît un peu le mieux en musique autour de cette table. C'est un nouvel album là, qui va sortir de cette artiste américaine qui a connu un succès mondial. Elle en est déjà à son 8e album. 8e album, vous vous rendez compte? Son succès s'appelait Luca. De qui s'agit-il? Suzanne Vega. Suzanne Vega, magnifique. Excellente réponse de Caroline Diamant. Ils m'ont retrouvé ma blague sur Robocop. Elle est aussi bonne que ça ou décevante? Alors, c'est une personne qui va voir son médecin pour une douleur aux parties génitales. Ça commence bien. C'est con que Jean-Marie Bigard soit pas là. Et après examen, le docteur, il est stupéfait. C'est incroyable, dit le docteur. Vous avez un testicule en bois et l'autre en métal. Ouais, je sais. Et c'est grave? Bah oui, vous ne pourrez pas avoir d'enfant, lui dit le médecin. Et là, le type fait foutaise. Il retourne vers la salle d'attente et il dit « Pinocchio, Robocop, venez voir papa. » Ah oui, elle est mignonne. Non, il y avait bien Pinocchio et Robocop. Mais c'était pas celle-là, la mienne. Il n'y avait pas de pipe. Hein. C'était pas celle-là. C'est une autre encore. Non, il faut mettre pipe en plus dans la recherche. Ah, ça, c'est intéressant. Qui, dans la presse aujourd'hui, déclare qu'il a refusé intouchable? Enfin, si je vais poser la question différemment d'ailleurs, c'est Benoît Poulvorde dans la presse aujourd'hui. Ah bah merde, voilà, ça j'avais la réponse. Qui? Parce qu'il y a un film qui sort aujourd'hui avec Benoît Poulvorde et donc il y a une longue interview, il a rencontré les lecteurs du Parisien et il nous raconte, ça j'ignorais, qu'il avait refusé de jouer dans Intouchable. Et il explique pour quelle raison. Il ne voulait pas rester immobile. Il ne voulait pas jouer assis. Bonne réponse de Yann Moix. C'est marrant, ça, c'est bizarre quand même. Il a la bougeotte, il ne peut pas rester. Mais oui, parce qu'il faut, fallait jouer. C'est vrai que ce n'est pas facile à jouer dans un fauteuil. Ouais. Voilà, le type qui ne bouge jamais. Cluzet a fait ça formidablement, il faut bien reconnaître. Mais j'ignorais que et Daniel Auteuil et Benoît Poulvorde aussi avaient refusé ce rôle. S'ils avaient su le succès, je pense qu'ils auraient révisé leur position, non? Ah, bah, si, ça, évidemment, vous êtes drôle. Peut-être que pas ah, ouais, ça, alors si Robocop avait deux couilles. Ouais. Ah, c'est franchement, vrai, c'est con. Stevie. Oui, bah excusez-moi de pas être une lumière en permanence. En permanence. C'est-à-dire que vous seriez plutôt du genre clignotant. Oui. Alors, 673 personnes ratent ça chaque jour. De quoi s'agit-il? Le train, le métro. Le train, le métro, pas du tout. Non, ça me paraît leur rater leur vie, non. C'est mais plus, c'est, toujours, c'est tous les jours le même chiffre. Oui, à chaque jour. Non, c'est une moyenne. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Chaque jour, 673 personnes ratent. L'avion? Non. Ah, ratent les œufs à la coque? Non. Est-ce que, à mon avis, ils ratent pas quelque chose de physique et de concret. Ils ratent leur vie. Ils ratent pas un train ou un truc, ils ratent quelque chose. Oh, quand même, c'est assez concret. C'est quand même assez concret. Ils ratent leurs enfants? Non. Ratent leurs vacances? Non. Chaque jour, c'est beaucoup, hein. 673 personnes. Ah, ils ratent la sortie de péage de l'autoroute? Non, non. Dans le monde ou en France? Ils ratent l'horaire d'arrivée au travail. Du tout. Non, bah tu m'étonnes. En France. Ils ratent la pointeuse? Ouf. Ah, ils ratent le mur en lançant des chatons? Non. Chaque jour, 673 personnes ratent... Le trou? Non. J'allais le dire et tu as été beaucoup plus élégant que moi. Je n'ai pas voulu te laisser le dire. Ah non, vous étiez du voyage avec François Hollande en Turquie? Oui. Comment les Turcs ont apprécié le voyage du président de la République? C'est une des langues les plus dures à imiter. C'est très... Et le hollandais, c'est gluttural. Le hollandais, le roten. Mais il faut changer la bonnette après. 673 personnes ratent ça chaque jour. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait avec ses mains? Oh, avec ses mains, pas forcément, mais qu'on fait. Oui. Ils sont adultes, les 673? Il y a des enfants dedans? Il y a des adolescents. Y a des mais on peut, c'est très très peu par rapport à la population française. Ça y est. C'est minuscule. J'ai une idée. Allez-y. Pas con. Allez-y. Ils ratent un numéro de téléphone qu'ils composent sur leur téléphone. Expliquez. Pas con. Non. Quand Laurent dit oui, vous avez raison, oui. Expliquez. D'habitude, il le fait bien. Plantes. Mais là, ça faisait. Allez, vas-y, connasse, enfonce-toi. Il rate l'émission. Non. Ah, non, il y en a plus que ça qui rate l'émission. Là, il y en a que j'en vois que six, mais.
Est-ce que c'est à une heure précise qu'il Non, non, non. Est-ce que ça se passe partout en France? C'est une bonne question. Oui, c'est partout en France. Partout. Il y a des régions où il y en a plus que d'autres, mais en moyenne, 673 par jour. Ah, ils ratent leur rendez-vous chez le dentiste, par exemple? Non. Est-ce que ça a un rapport avec la météo? Non. Rate une histoire drôle? Non. Est-ce que vous pensez qu'on fait partie des personnes qui le ratent? Ouais. Non, 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 non. Moi, jamais, nous, on rêvé. Rate pas, nous. Mais parce qu'on n'essaye pas ou parce qu'on est très doué? Dieu sait, Bonaldi, que vous en avez raté des trucs, mais ça, je ne crois pas. Ah bon? Et moi? J'en sais rien, je pense que non. Vous n'avez jamais raté ça, non. Son réveil, sommeil. Non. Je suis assez surpris parce que je pensais mais que la réponse allait. Ah, son permis de conduire! Non, du tout. Je pensais que la réponse allait fuser. Parce que, en plus, c'est dans tous les journaux aujourd'hui. Ah, ben bah, c'est pas dans le Parisien. Ah, le changement d'horaire, le changement d'heure. Pas du tout. Si moi j'ai raté, par exemple, aujourd'hui de cheveux et demain ça m'arrive souvent de rater. Il manque des mots dans ce que vous dites. Tu nous as fait une diarrhée verbale. Les auditeurs qui sont intelligents, eux ont compris, trois petits points. C'est très simple. Est-ce que je peux si rater moi aujourd'hui, je l'ai raté aujourd'hui et le rater demain et le rater après-demain? Ah oui, bien sûr, mais enfin c'est assez rare, voyez. Est-ce que c'est les hommes qui le font, qui ratent hommes plus que les femmes à égalité? C'est pas un diplôme? Non, un examen. 73, c'est quand même très très peu. Ah non, c'est, vous allez voir, quand vous aurez la réponse, vous allez trouver ça beaucoup. Ah bon? Ah, c'est vraiment des truffes? Pardon? Non, je veux dire, c'est les gens, va dire vraiment, ils sont cons. Donc, ce sont on des peut gens, pas dire ça. Ce sont des gens qui ont des grosses responsabilités, alors. Non, on peut pas dire ça, non. Ils ratent la marche du métro. Non plus. Ouais, et il y aura un con qui les compte, alors. Oui. Dans toute la France. Ça a à voir avec une activité quotidienne? Pas du tout. Quand ils ont raté, c'est grave, c'est emmerdant? Non, on ne peut pas dire ça, non. Est-ce que ce n'est pas des boulangers qui ratent leurs baguettes? Non. C'est pas embêtant pour eux ou c'est embêtant pour les autres plus? Oh, c'est pour les autres, mais ça dépend. Laurent, comment est-ce qu'on peut les comptabiliser aussi facilement? Parce qu'il y a des moyennes, des statistiques qui sont faites. Ils peuvent recommencer le lendemain s'ils ont raté? Je vous ai déjà dit non. Je vous ai dit oui s'ils veulent, mais c'est très rare. C'est un rapport avec les JO? Du tout. C'est un rapport avec la télévision? Non plus. C'est un rapport avec rien, en fait. Est-ce que c'est un rapport avec la politique? Je pensais, écoutez, franchement, j'en ai connu des questions faciles, mais celle-là. Alors, on rate ça chez soi ou à l'extérieur? Alors, écoutez, ça dépend. C'est souvent oui chez. Oui. Pardon. Oh. Allez-y. Oh. Allez-y. Oui. C'est les soldes. Les soldes. Pas du tout. Donc, c'est chez soi. Alors, attendez. Parfois, c'est chez soi, mais ça peut très bien être à l'extérieur. L'un ou l'autre. C'est une question de choix. Rater sa mayonnaise. Non. Vous faites souvent des mayonnaises à l'extérieur, oui. Vous. Un assassinat. C'est comme ça que t'appelles ça? Un assassinat. Suicide. Tentative de suicide. Un cambriolage. Tentative de suicide. 673 TS ratés. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Chaque jour. Chaque jour en France, 673 personnes ratent leur suicide. C'est la journée nationale de la prévention du suicide aujourd'hui. Et on nous donne les chiffres. Il y a 700 personnes par jour qui tentent de se suicider. Et comme on nous dit, moi j'ai fait la différence, comme on nous dit qu'il y en a 27 qui réussissent, j'en déduis qu'il y en a 673 qui ratent. Ah, il n'y a quand même pas que des cons, il y en a 27 qui réussissent. Ah, quand même. Non mais c'est terrible comme chiffre quand même. C'est, énorme. C'est pour ça qu'on me disait, ça paraît peu, personnes. Mais non, c'est beaucoup. 700 personnes qui tentent de se suicider chaque jour. Quand est-ce que une tentative de suicide, une véritable tentative de suicide? Je m'explique. Un appel au secours. Ou pas un appel au secours. Je prends un médicament qui risque de me faire mourir si au bout de 3 heures on m'a pas. Et puis j'appelle tout de suite au fil de. Par exemple, 5 imodium d'un coup. 5 imodium d'un coup. Bon, est-ce que c'est un appel au secours? Voilà. Ou est-ce que tu suicides par constipation? Voilà. Et je me tire une balle dans le genou. C'est ouais. Bon. 27 personnes se donnent la mort chaque jour en France. 700 tentent de le faire. 700. C'est moins énorme. 27, ouais. Ça fait 673. C'est énorme. Qui ratent, quoi. Ouais. Voilà. Et alors, parfois, c'est aller dehors, Stevie, vous voyez. Parfois, c'est à la maison. Vous me posez la question, est-ce que vous avez essayé? Bah, je crois pas. Non, toi, jamais. C'est à la radio, Stevie, tous les jours. Tu le sais, c'est vous, Bonaldi, non plus? Non, hein, personne non, n'a jamais tenté de se suicider. Ici, même pas vous, Caroline. Il y a quoi, Bertrand? La violence. La violence du propos. Vous pensez qu'elle a des raisons? Il y a quoi? Même pas vous, avec votre physique difficile, votre vie de rien. Non, c'est étonnant. Vous avez un peu raté votre vie, quand même, Caroline. Parlons-en. Vous êtes avec des amis, parlons-en. Moi, j'ai pas écrit de bouquin. Si vous aviez fait partie des 27, vous seriez pas là, mais vous pourriez faire partie des 673. Écoutez, non, Dieu merci, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais essayé d'attenter à ma petite personne. Non, alors vous m'avez demandé, parce que évidemment, je reviens maintenant sur les questions que vous m'avez posées quand vous cherchiez encore la réponse. Vous m'avez demandé, est-ce que quand on rate une journée, on peut le refaire le lendemain? On refait le lendemain. Alors, à
part la chanteuse Catherine Ribeiro, j'en connais pas vraiment. Qui suffit tous les jours. C'est qui celle-là? Catherine Ribeiro. Ah bah ça, tu peux pas connaître. Je connais pas. Ça fallait aller à la fête de l'Humain dans les années 80 et 70. C'est une très grande chanteuse. Très grande chanteuse. Ah oui, mais c'est vrai qu'elle a quand même multiplié les. En général, elle est passée juste derrière Francesca Solville. Donc il faut connaître quand même. Il y a Mike Brandt qui a fait deux fois. Mike Brandt, lui, il a réussi la deuxième fois. La deuxième fois. Elle a sauté par la fenêtre. C'est vrai, c'est sa ceinture qu'il a retenue la première fois. Mais pourquoi ils n'ont pas mis des barreaux aux fenêtres? Oh, le détail qui tue. Attendez, la ceinture de Mike Brandt. Non, c'est pas la ceinture, maintenant je me souviens. Ce sont les arbres. Les arbres. Oh, bah attends, la ceinture aux arbres. Elle. Alors, il y en a un qui plaisante sur Mike Brandt, tu prends mon poing dans la gueule. Eh ben, je vais prendre mon poing dans ta gueule. Enfin, l'inverse. Poing dans la gueule. Il était beau, il avait une belle bouche. Et c'est pour vous, vous pensiez que c'était pour vous qui chantait Laisse-toi m'aimer. Laisse-toi m'aimer. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Éric Legérias, Yvan Le Moloch, Yann Moix, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet. Ils sont avec vous une heure et demie encore et vous allez évidemment me dire les uns et les autres pour quelle raison on reparle dans la presse aujourd'hui de l'Australien Richie Porte. Ah, un Australien. Je crois que je sais. Allez-y alors. Faut que ça revienne. Remarquez, ça devrait revenir. Hein. En Australie, c'est quand même les rois du boomerang. Donc normalement, ça va revenir. Oh là là. Ah là, là. Sportif, votre Richie. C'est sportif. C'est sportif. Ouais. Je sais. Surfeur. Il n'y a pas que des surfeurs. C'est marrant. Dès que c'est l'Australie, c'est toujours sportif. C'était un nageur qui avait les grands pieds. Non, ça c'est Yann Thorpe. Vous confondez. C'est en Australie, c'est sportif. Est-ce que c'est en rapport avec la Russie aussi? Du tout. Pas de rapport avec Sochi. Non plus. On en parle à nouveau parce qu'il a été très très connu. Oh écoutez, s'il était très très connu, oui, ça nous reviendrait. Ça vous reviendrait, oui. Vous voyez. Non, vous savez bien que je pose des questions un peu difficiles. Oui, parce que oui, sais que le niveau de l'émission aujourd'hui est haut et donc vous vous adaptez. Est-ce que c'est un rapport avec Didier Porte? Oui. Du tout. Son retour dans l'actualité, c'est lié au sport? C'est lié au sport, oui, ça. Oui, c'est un rapport. C'est un rapport avec Bernard Laporte? Du tout. Porte, ça s'écrit comment? Ah bah ça s'écrit P-O-R-T-E. Il est handicapé? Non, pas du tout. Richie Porte, alors. Richie Porte. Ah ben, c'est un cycliste. C'est un cycliste. Mais oui. Et alors? Eh ben, il fait le Paris-Nice. C'est-à-dire? La semaine prochaine. C'est-à-dire? Eh ben, c'est le premier. Parce que le problème du cyclisme, c'est la mondialisation. Oui. Vous comprenez? Donc, il y avait le tour de. Si je sais tu quoi, sais, dans fais le Gard. Court, hein, pitié. Mais non! Elle a un peu raison. Je réinvente. C'est non, le tour de Paris-Nice, c'est, si c'est ça la bonne réponse, c'est, la semaine prochaine, c'est triste. La semaine prochaine, Paris-Nice. Parce que moi, j'aurais fait Sydney-Perth en passant par Alice Springs. C'est carrément plus sympa. L'autre, il a les plus beaux paysages du monde et va se oui, mais il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition là-bas. Ah, mais non, mais c'est nous qui devrions aller là-bas. Comme les cyclistes, il faut qu'ils fassent des compètes. C'est très beau, Paris-Nice. Oui, d'accord. Il part de Mantes-la-Jolie. C'est vrai en plus. Ah, ça fait envie. Je préfère partir de Sydney pour arriver à Perth. Et alors, mon cher Jérôme Bonnelly. Mais Jérôme, à la réponse, lui. Là où vous faites erreur, c'est que ce n'est pas la semaine prochaine. Ce sera entre le 9 et le 16 mars, le prochain Paris-Nice. Mais hier, on a dévoilé l'itinéraire, le parcours. Il arrive évidemment sur la promenade des Anglais à Nice. Et il part de Mantes-la-Jolie. Mais Richie Porte, lui. C'est l'ancien vainqueur du Paris-Nice. C'est le tenant du titre. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est le tenant du titre. Bravo, il a gagné l'an dernier. Il y a une autre course avant le Paris-Nice. Il y a le Tour de Blessières, un truc comme ça. Le Tour du Blessières. L'étoile de Bessèges. L'étoile de Bessèges. Soyez précis quand vous essayez de dire un truc. Attends, tu connais toutes les villes du Gard, toi. L'étoile de Bessèges, c'est la première course à étapes de la saison en France. C'est Luma qui nous racontait ça ce matin. Et le peloton va retrouver ses vieilles habitudes. C'est un rendez-vous incontournable du début de saison. L'étoile de Bessèges, ça se fait en 5 étapes. Mais la vraie première grande course française, c'est le Paris-Nice qui aura lieu début mars. Et c'est vrai que le tenant du titre, c'est un Australien, même si quelques Français, évidemment, ont leur chance. Sylvain Chavanel, Thomas Vauclair. Retenez bien les noms parce que ça va retomber Thomas un jour. Thomas Vauclair, on connaît. Voilà, Nasser Bouhanni, Brian Coquart. On a des grands cyclistes français. Nasser Bouhanni. Oui. Nasser Bouhanni va bientôt tout déchirer en vélo. Bouhanni. Sylvain Chavanel. Et Coquart. Le Paris-Nice, ça, c'est début mars. Donc ça veut dire que vous avez encore 3 ou 4 semaines où ce genre de questions peut tomber. Vous voyez, hein. Je vous emmène maintenant en Vendée. Jusqu'au 2 mars, vous pouvez là-bas avoir une exposition magnifique, des dessins érotiques, par exemple... Érotiques. Oui, des dessins érotiques. Du sculpteur
sculpteur Rodin. Voilà, parce que Rodin n'a pas fait que sculpter. Oh, il était chaud de la pince. Il a aussi dessiné Rodin. Mais le problème, c'est qu'on a retrouvé ces dessins il n'y a pas si longtemps que ça dans des archives. Mais à qui appartenaient ces dessins érotiques ? À Macha Merrill ? À Cocteau ? Rodin. Non, pas Cocteau. Et Marais ? Non. Quelqu'un non. de sa famille ? C'était cadeau que Rodin avait fait à quelqu'un, qui ont été découverts dans ses archives. Paul Claudel ? Et Camille Claudel ? Paul Claudel, non. Camille Claudel, non. Ils ont été retrouvés dans les archives de la famille du monsieur ou de la dame à qui ils les avaient offerts. Voilà. Et donc, dame avec qui il les a offerts, il y aurait eu une succession récemment. Non, c'était non. pas une dame à qui il avait Clémenceau. Offert ce dessin. À Clémenceau. Bonne réponse de Yann Moix. Bravo. Ils étaient très amis. Vous êtes très fort, Yann. Ils étaient très amis. Non, mais dès qu'on pose des questions culturelles, vous êtes là. Non, quoi. Mais Clémenceau. Vous ne me décevez jamais, au fond. Il y a une très belle anecdote. Clémenceau va voir un jour Renoir, le peintre. En plus, il y a une anecdote. À Giverny. Et il demande à Renoir, maître, est-ce que vous pourriez m'offrir un de vos pinceaux ? Et Renoir lui offre un pinceau tout neuf. Il comprenait pas qu'il voulait un pinceau usagé de Renoir. Ah oui, elle est drôle. Non, mais... T'as bien fait de la raconter. C'est magnifique. Les petits détails qui font l'humanité. Mais non, ça en dit long sur l'humilité de Renoir. Mais bien sûr, évidemment, il comprenait pas qu'il voulait pinceau. Un pinceau usagé. J'ai bien compris, mon petit Yann. Elle est pas drôle, mais je l'ai compris. Ah bah, elle était pas faite pour être non, drôle. Évidemment. Mais elle existe en version avec de la merde et de la pisse. C'est Renoir qui a envie de chier. Et Clémenceau, les chiottes étaient bouchées. Donc Clémenceau lui demande où est-ce qu'il peut poser sa pêche. Alors il va au fond du jardin, il y a des petites cabanes, mais il y avait Van Gogh qui est en train de dégueuler. Oh, il dit, oh, tu m'as chié sur le pinceau. Ben, vous voyez, celle-là, elle est drôle. Et tout d'un coup, il n'y a plus de papier. Il est né le 4 décembre 1963. On ne parle que de lui. Moi, je me demandais s'il était encore vivant. Eh bien oui, il est encore vivant et je peux vous dire que Il est jeune. Ah oui. Mais je peux vous dire que là, tous les jours, il lit la presse sportive. Ce monsieur, né le 4 décembre 1963, lit chaque jour la presse sportive. Pourquoi pensiez-vous qu'un homme de 50 ans serait mort ? Parce que je n'entends n'est plus parler de lui. Ah, Bernard Hinault ? Non. Derek est pas né en 63. Alors quelqu'un qu'on n'entend plus parler. Non, c'est pas quelqu'un Arrêtez qu'on entend plus parler. Arrêtez avec Jean-François. J'aime beaucoup Derek. Bon, c'était un sportif, le gars. Pas lui. Le mec, c'était un sportif. Alors, un disparu, on cherche. Mais non, on cherche pas un disparu. Ah, Jacques Pradel. Est-ce que vous êtes Ah, parce qu'il y a Sochi, il y a les Jeux Olympiques d'hiver. Aucun rapport avec les JO d'hiver. Mais voilà quelqu'un qui lit chaque jour la presse sportive il depuis français. Quelques semaines, qui est né le 4 décembre 1963. Mais pas pour lui, pour son fils ou sa fille. Ah non. Ah, est-ce que c'est quelqu'un qui aime le froid ? Non. Il est sportif lui-même ? C'est quelqu'un qui est à la retraite aujourd'hui, évidemment. Et qui a été médaillé ? Ah, médaillé plein de fois, évidemment. Oui, oui. Il est français, le gars ? Ah, il n'est pas français. Ah ben bah voilà déjà. Non. Il est américain, il est Merloc. Pas du tout. Il est russe. Il est russe. Oui. Non, pas tout à fait. C'est un joueur de tennis. Ah, il est ukrainien. Ukrainien. Ah bah c'est Boubka. Boubka, bonne réponse. Attends, le seul ukrainien qu'on connaisse. Et il veut voir si David Lenny va battre son record. Et oui, Boubka, il a tous les jours à acheter l'équipe pour savoir si l'autre va passer les. Ah si, David Lenny va le. Ben oui, les fameux 6 mètres. Combien il doit 0, faire 6. 0. Ah non, plus que ça. Plus, il 6, doit 30, faire 6 mètres 16 pour battre Boubka. Ah oui, il a fait 6 mètres 16 la dernière fois. Boubka a fait 6 mètres 15. 6 mètres 15, Boubka. Et donc tous les jours, Boubka, il doit se dire alors, il va sauter plus haut que moi ou pas ? Et moi, je ne savais pas s'il était encore vivant, Boubka. Mais enfin, il était. Moi, je l'ai vu encore dans les tribunes d'un championnat du monde. Mais il habite où ? À Kiev ? Vous regardez champion du monde d'athlétisme, vous ? Oui, j'aime bien. Ah oui ? Oui. Quel sport athlétique ? Alors, j'adore le 100 mètres. Moi, j'aime bien ce qui est rapide. Enfin. Est-ce qu'il est musculeux aussi ? Non, mais je trouve que c'est joli. J'aime mais vous-même, bien. Vous avez fait, je ne sais pas moi, du marteau, du. Si j'avais un marteau, je ne répondrais pas. Mais si j'avais un marteau, il atterrirait quelque part. Et... Dans ma gueule, j'ai bien compris. Clausen, qui est un candidat républicain à un fauteuil de représentant de la Floride, vient de lancer un défi à Barack Obama. Lequel ? Il est républicain, le gars ? Oui, je viens de le dire. Ça, c'est dans la question, vous voyez, Jérôme Bonaldi. Si vous me demandez s'il est américain, je vais vous répondre oui aussi. Kurt Clausen. Est-ce que c'est un défi genre amusant ? Je te défie de marquer un but si on joue ensemble au basket. Au basketball ou au football américain ? Bonne réponse de Caroline Diamant.
En effet, il a défié Barack Obama au basket. Cet ancien joueur professionnel de basket a demandé au président de jouer avec lui au tir à trois points. Au lancer franc. Et voilà, au lancer franc. Mais il ne va pas accepter. Bien sûr, il a posté sur Twitter une photo de lui avant le grand Super Bowl en train de manier le ballon du football américain. Bien sûr qu'il va accepter, ça le fait rire. Une question littéraire, enfin littéraire. Yann. Tout ce qui est publié n'est pas littéraire, vous êtes d'accord avec moi ? Macha Meryl dit le contraire. Yann Moix. Mais en tout cas, voici un livre qui s'appelle Le droit d'aimer. C'est Anne-Marie Mariani qui témoigne dans ce livre aux éditions Kero, Le droit d'aimer. Mais Anne-Marie Mariani a une particularité. Laquelle ? Elle est handicapée. Non. C'est la fille d'un curé et d'une bonne sœur. La fille d'un curé et d'une bonne sœur. Bonne réponse de Jérôme. Et c'est Bonnet. Pas évident. Ça vous fait rire, ça? Ah oui, oui, oui. Oui, mais le titre prend génial. Tout son sens. Parce que curé, bonne du curé, bon, ça se fait, quoi. Mais curé et bonne sœur. T'imagines à l'école, le premier jour, vous mettez votre nom, s'il vous plaît, à la profession de vos parents. Alors, sœur Emmanuelle. Ah, t'as raison. Pas facile. Et très large. Père François. Ouais. Quelle horreur. Ça l'excite. N'empêche qu'elle a su très tard, la petite Mariani, qu'elle était la fille d'un curé et d'une bonne sœur. Il l'avait cachée. Et oui. Mais elle allait à la messe tous les jours, elle ne comprenait pas pourquoi. Elle est tenue d'avoir 18 ans dans le genre, et donc ça fait drame, donc ça fait livre. Tu Parce qu'elle a été élevée par qui alors ? Oh, je sais pas, je n'ai pas lu le bouquin. Pape. C'était la nounou. Pape. Je vous conseille le livre, en tout cas de cette dame. Je ne l'ai pas lu, mais je vous le conseille. Anne-Marie Mariani, Le droit d'aimer, 160 pages, où elle raconte dans le détail la nuit d'amour. Non. Non, non mais c'est quand même un témoignage mais intéressant. Vous oui, êtes elle prépare le tome 2, sa vie sexuelle avec son père. Oh. Quel horreur. Il y a une bonne sœur qui a accouché récemment à Rome. Là. Exact. Oui, oui, oui. Ah non, mais ça n'arrête pas en ce moment. Ah, oui, et puis il va y en avoir de plus en plus. Ah, oui, oui. Je pense que les femmes, les bonnes sœurs, elles prennent leur plaisir aussi. Elles ne sont pas privées de plaisir. Restons dans la religion avec cet évêque. Cet évêque qui a publié, lui aussi, aux éditions... Sa vie de zoophile. Alors, donc, aux éditions Paroles et Silence. Voilà, l'ensemble des bénéfices, lui, il publie et l'ensemble des bénéfices sera reversé au diocèse de Soissons, car c'est l'évêque de Soissons, monsieur Hervé Giraud, qui publie. Qui publie quoi ? Qu'est-ce qu'il publie ? Elle est très en colère après quelqu'un ? Du tout. Une biographie ? Il a 56 ans. C'est pas une biographie. Il veut refaire le vase. C'est plutôt un recueil, en fait, oui. Il veut refaire le vase de Soissons ? Non. Un recueil de pensées ? Un recueil de recettes ? Pas de pensées. De prières. Citations ? De citations, non. De prières ? Non. De graffiti dans les toilettes ? Non. De recettes, oui. Non. Non, c'est peut-être un recueil de mots que des gens connus lui ont adressés. Du tout. De choses entendues à la messe ? Non. D'intentions de prière ? Non. Non. D'idées de sermons ? De vœux de mariage. Ça fait 3 ans qu'il les recueille. Ah, les pensées de Jésus ? Pardon ? Les pensées de Jésus ? 3 ans que Jésus lui parlerait, on le saurait seulement maintenant. Ça n'a rien à voir avec son métier d'évêque ? Non. Des oraisons funèbres ? Oui et non. Des confessions ? Non. Qu'est-ce que fait un évêque par rapport à un curé ? Ah ben en tout cas, cet évêque, il n'est pas comme tous les autres évêques parce que lui, depuis 3 ans, il fait quelque chose d'étonnant, qui va d'étonnant. Assez banal aujourd'hui pour n'importe qui, mais pour un évêque, c'est un peu plus étonnant, même si... Des tweets. Oui. Des tweets. Et donc il... Il recueille ses... Enfin, il a fait une citation de tous les tweets qu'il a reçus et envoyés. Et il publie ses tweets. Bonne réponse de Yann Moix. Il y a des exemples. Ça s'appelle Tweetomélie. Et en fait, voilà, en 140 caractères, il parle à ses paroissiens. Et là, il a décidé de publier, de recueillir tous ses tweets. Il y a quelques exemples de ses tweets. Oh, si vous voulez, vous voulez. Alors, par exemple, plus on est dans l'immédiateté, plus ça nécessite de la réflexion. Et oui, bien sûr. Et il va en vendre. Il va en vendre beaucoup, là. Je lui prédis un grand succès. Un autre, en 140 mots, maxi. Jésus, de nouveau, commença à enseigner Marc. C'est l'extrait du nouveau Twistament. Il nous faut souvent de nouveau commencer en bien des domaines de nos vies. Répétez-le, ça, parce qu'elle est compliquée. Il nous faut... Oh non, bah achetez-le. Pour quelle raison le Tahitien Norbert Ahuata tient à faire savoir où il sera au mois de juin prochain ? Parce qu'il y a les élections à Tahiti ? Du tout. Parce que sa femme pourrait être inquiète. Là, je pense que je peux tenir à peu près 8 minutes. Il va dans l'espace ? Non. Alors, attendez, répétez bien la question, on va se concentrer. Le Tahitien Norbert Ahuata tient, contrairement à ce qui a été dit, à faire savoir où il sera au mois de juin prochain. Est-ce que la justice lui demande d'être là ? Du tout.
Est-ce que ça a un rapport avec la Coupe du Monde de football au Brésil ? Oui, madame. Ok, voilà. Alors déjà, ça en passe de 8 à 5 minutes. C'est pas sûr. C'est pas sûr quand même. Il sera au Brésil. Oui. Ah, bon. Et c'est vachement important. Et il ne devait pas y être. Enfin, en tout cas, les gens pensaient qu'il n'y serait pas. Ça, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Il est arbitre. Oui, et alors ? Il a un contrat sur la gueule. Non. Il est arbitre. Il n'y a pas d'arbitre français pendant la Coupe du Monde en Brésil, donc il est remplaçant, mais il y va quand même. Non. Oh, c'est pas mal. Mais c'est quasi ça. C'est joli. C'est joli. Eh ben, aidez-moi alors. Il était un peu en sursis parce qu'il avait fait des conneries et il y sera quand même. Preuve qu'il a été choisi par le FIA. Mais il est sur une liste d'attente. Non. Non. Eh ben, quelqu'un s'est désisté ou est tombé malade. Non donc plus. Ça y est. Non. Eh ben, il est. Eh ben, il y va pour. On a été sélectionné. On l'avait dit qu'il ne le serait pas. Pardon ? Il a été sélectionné alors qu'on avait dit qu'il ne le serait pas. C'est pas tout à fait ça, mais vous avez la réponse, mais vous n'arrivez pas à la coupe. Vous voyez, c'est comme un enfant qui aurait des cubes. Oui, on avait dit du mal de lui. Il avait été écarté, on avait dit du mal de lui dans la presse. Il n'est pas sélectionné, mais il y va quand même. Pardon ? Il n'est pas sélectionné, mais il y va quand même. Non, 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 il va arbitrer là-bas, le Tahitien Norbert Ahuata. Ouais. Mais comme il a la double nationalité, il n'arbitrera pas pour la France. Il est le seul arbitre représentant Tahiti comme un territoire indépendant. Et donc, il est. Territoire d'outre-mer. Non, mais qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit qu'il n'y aurait pas d'arbitre français, il y en aura quand même un, et c'est lui. Bonne réponse de Caroline Bravo. Diamant. Et oui. Que je vous explique, parce que je sens que vous n'avez pas compris vraiment votre réponse. Non. Ah là là, mais vous cherchez à m'humilier. Comme vous n'avez pas compris la question non plus. On avait dit qu'il n'y aurait pas d'arbitre français pendant la Coupe du Monde au Brésil. Mais lui, Norbert Ahuata, il est tahitien. Il est donc français. Sauf qu'effectivement, il y a deux ligues de football différentes. Il y a la ligue de football française. Et l'Océanie. Et voilà. Et lui appartient à une autre ligue, de Tahiti. Et voilà, Tahiti, c'est dans une autre ligue. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'arbitre français au Brésil, puisque lui, il est français. Certes, pas de la ligue française de football, mais il est français. Pourquoi il n'y aura pas de français ? Parce qu'on est nuls. Voilà. Mais on les juge sur quoi, les arbitres ? Combien ils ont donné de cartons jaunes ? Combien ils ont donné de cartons rouges ? On les juge sur les matchs qu'ils ont arbitrés pour savoir s'il n'y a pas eu trop de soucis pendant. Est-ce qu'ils sont trompés, pas trompés ? Est-ce qu'ils n'ont pas vu un mec qui avait. Un peu comme à Sacramento, par exemple, Caroline. Mais oui, à Sacramento. Qu'est-ce qui s'est passé dont on parle dans toute la presse aujourd'hui ? Bah, Sacramento, c'est facile, Laurent, c'est le basketball. Oui, et. Alors, l'équipe de Sacramento, les Red Hot Chili Peppers. Non. Ouais. Refais l'histoire. On fait un three-pointers dans ta gueule, voilà. À Sacramento, c'est là où il y a Joachim Noah a insulté l'arbitre. Oui, bah, par exemple, cet arbitre-là, s'il y avait une Coupe du Monde de. Et il y en a, parfois. Il ne serait pas sélectionné. Il ne serait pas sélectionné. C'est comme ça que ça se passe, oui, Caroline. Je vais vous parler maintenant d'un Belge qui s'appelle Kenny Defligger. Kenny a mis au point un système dont on va beaucoup parler s'il arrive vraiment à l'intégrer comme il le souhaite et si son brevet d'invention, évidemment, réussit à être commercialisé, ouais. Industrialisé, exploité. Parce que vous savez, c'est pas le tout d'inventer quelque chose. Ouais. Après, il faut... Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me méfie des trucs. Ouais, ça va révolutionner la presse. Je fais collecte depuis 40 ans de trucs comme ça. Vous allez voir, demain, on va raser gratis, on va manger des pilules et puis on ira les voitures qui volent. Il a mis au point un système d'alerte. Mais quel système d'alerte ? D'alerte ? Ah là là, faites-moi le fier. Est-ce que c'est le système qui permet d'arrêter les voitures à distance ? Non. Est-ce que c'est une alerte qui intervient sur votre smartphone ? Non. Pour vous prévenir de quelque chose ? Oh, oui, ça va vous prévenir de quelque chose. Ah, c'est une alerte incendie peut-être ? Non, non. C'est un objet connecté ? Non. Genre, tu es à Tahiti, tu es à d'une disparition. Bornes, il y a le feu chez toi. Pas une disparition, c'est quelque chose vraiment de pratique pour ceux qui sont un peu distraits, on va dire. C'est un oubli, alors ? Oui, oui, c'est un rapport avec les clés. Ta valise ? Non. Ça nous dit qu'on a oublié quelque chose d'important. Oui, alors ça, oui. Ta femme ? Non. C'est une alerte à passeport avant de prendre l'avion. Un rendez-vous ? Non. Une alerte à Malibu ? Non. Un vaccin ? Non, non. J'ai oublié de couper l'eau ? Non, non, non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser, une alerte qu'on pourrait utiliser tous les jours ? Ce sera en tout cas lié à votre porte-clé. Et grâce à votre porte-clé, vous saurez que... Ah, l'endroit où on a garé sa voiture ? Non. Combien ça nous coûte ? Non. Ah, le parcmètre. Non. Remettre des sous. Quand est-ce qu'il faut aller remettre des sous ? Non plus. Vous aurez une première alarme, puis une seconde alarme. Une seconde quand alarme. Une place se libère. Pardon ? Quand une place se libère. Non, non, non. Non, non, c'est un rapport avec le vol. Quand on est en train de tirer ta voiture. Non plus. T'as la photo du mec qui est en train de la voler. Non. Non, la contractuelle qui te met une prune. Ah ouais. Pour la retrouver, lui péter ça. Non. Le Belge Kenny Defligger a mis au point ce système d'alerte parce qu'il a été, on va dire, sensibilisé par différentes affaires qu'il a entendues. Ah, les points qui restent sur le permis. Non. Le feu rouge. Non plus.
Est-ce que c'est un rapport avec les frites? Non. L'excès de vitesse? Non. Un type qui perd sa valise ou son sac? Non, non, non. Mais c'est un rapport avec la voiture? Avec la voiture, oui. Ok, alors attendez, nous avons des clés. Nous avons une voiture. Mettre de l'essence. Non. Un enfant. On a oublié le nouveau-né dans la voiture. On a oublié un enfant dans la voiture. Bonne réponse, Yann Moix et Yvan Le Bonhomme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, s'ils ont besoin d'une clé pour savoir qu'ils ont oublié un gamin de 3 mois dans l'arrière d'une voiture, ils ont été finis à la pisse. Ça. Ah non, mais franchement. Franchement, c'est vrai. Ah ouais, là, une clé qui te rappelle que t'as un gamin de 3 mois dans le coffre. T'y viens, mais raison. Ça c'est, non, mais franchement, c'est complètement débile pour oublier qu'on a un gamin. Oh putain, le parking. Et Laurent Ruquier glisse un brillant avenir. Un système d'alerte. Jamais le jour. Un système d'alerte afin d'éviter les accidents. Le dispositif est composé, écoutez bien, d'un tapis sensible, n'est-ce pas? C'est un tapis. Il y a un tapis sensible à la pression. Oui. Qu'on place sous le siège de l'enfant. Oui. T'imagines, tu mets un gros sac, ça sonne. Tu viens de faire n'importe quoi. Ce dispositif est lié au porte-clés du conducteur. Si le conducteur oublie son enfant dans la voiture alors que le moteur est coupé, un premier signal retentit pour avertir le conducteur que l'enfant est encore dans la voiture. Non. Alors écoutez bien, le tapis est aussi équipé de capteurs pour mesurer la température. En effet, si la température dépasse 28 degrés sur l'enfant, le siège, tu peux encore le laisser un peu mijoter. Oui, c'est ça. Si la température est correcte, tu peux continuer. Une alarme se déclenche encore plus forte que la précédente. Si t'es pas allé la première fois, genre bon bah d'accord, je le sais, j'ai l'enfant dans la voiture, mais là ça, là si la température monte, et vous avez une comme les 20 minutes, ça tourne très vite. Une deuxième alarme qui vous dit qu'il faut aller chercher l'enfant. Non mais c'est lamentable. Le projet s'appelle Gabriel. Mais comment ose-t-on utiliser du papier pour imprimer des conneries pareilles? À partir du moment où tu le regardes, tu sais bien que ça ne marchera jamais, ça n'a aucun avenir. Ça va coûter cher, c'est compliqué, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas, pas tant de cas que ça, quand même. Il n'y a personne qui va acheter ça. Il n'y a pas 673 cas par jour de gens qui oublient leurs enfants dans la voiture. Je trouve que plus on va dans le temps et plus on fait des choses qui sont complètement idiotes. Non, mais dites pas idiot, sans déconner. Mais franchement, Caroline, comment tu peux oublier un enfant dans une voiture quand t'es parent? Franchement. Alors, je t'explique, franchement. Franchement, tant que tu ne sais pas ce que des parents peuvent vivre en ne dormant pas pendant des jours et des jours et des jours, et peut-être en allant travailler et en étant pilote automatique, un accident, ça arrive. On rigole, mais le monsieur à qui c'est arrivé, peut-être qu'il n'a pas dormi. Tu sais, quand on te prive de sommeil, c'est quelque chose d'atroce, même si tu aimes ton môme. Donc oui, moi, en tant que mère, je vérifie 15 fois, elle a 18 ans, où elle est, ce qu'elle fait minute par minute. Elle est toujours sur un siège derrière. Il y a un moment, elle va te dire merde. Un chanteur britannique de 22 ans qu'on va pas oublier sur le siège arrière, il est déjà sur la platine, Tom Odell, Another Love. Europe 1, on va gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Marina et Thomas, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes Toulousains tous les deux. C'est plus qu'un derby. C'est un, dans ces cas-là, d'ailleurs, un match. C'est un derby sur place. Un derby sur place. Une guerre civile. C'est voilà, une guerre civile. Un challenge interurbain. Marina, vous faites quoi à Toulouse? Je suis assistante dans une banque. Dans une banque. Okay. Je vous sens un peu mal du genou, un peu déprimé aujourd'hui. Non, Marina, je me trompe. Pas du tout. Ah, 175. Avec tous mes collègues. Vous êtes intimidée alors peut-être. Oui. Ah. Bah écoutez, Marina, votre dîner d'hier, ça vous avez préparé. Je suis sur votre réponse. Dites-moi ce que vous avez mangé hier soir. Une bonne salade de quinoa avec saumon et avocat. Le quinoa, ça marche. Hein. C'est bio, c'est éthique. Ça, c'est un truc qu'on ne connaissait pas avant. Le quinoa, c'est bon, ça. C'est plein de bonnes choses dedans. Ah oui? Ah ouais, des vitamines, des sels minéraux, des... Oh ouais, mais bon, on dira une ordonnance quand on parle. Mais c'est vrai. Thomas, oui. Vous à Toulouse, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis ingénieur pour un sous-traitant d'Airbus. Très bien. Bah, ne le prenez pas mal. Très bien. Et non. Thomas, votre dîner d'hier? Une soupe maison, pommes de terre, patates douces, carottes, concombres. Mais bien. J'ai Il y a un retour sur la soupe en ce moment. Ouais, hein. Mais j'ai l'impression qu'à Toulouse, là, Marina et Thomas, ils ont la patate douce. C'est pas la patate, c'est la patate douce. Moi, je sais pas faire des soupes. Va falloir vous réveiller l'un et l'autre. La patate broyée. Hein. Marina et Thomas, si vous avez, franchement, là, si vous avez envie de partir en voyage, écoutez bien en plus. Ça vaut le coup. Et arrêtez de manger du quinoa. En Andalousie. Andalousia. Si, senior. C'est plein vent voyage qui vous propose ce séjour.
Je savais pas que Jet Seeking était là. Olé ! Plein Vent Voyage est un tour opérateur qui propose des voyages vers 80 destinations dans monde entier. Vous logerez en formule tout inclus au club Palia La Roca, situé entre Malaga et Torremolinos. Torremolinos. Vous profiterez des animations et activités du club, des piscines, de la plage à 100 mètres de l'hôtel. Plus d'informations sur pleinvent-voyage.com. Prêt, Marina et Thomas ? Prête. Attention. Toujours prêt, dit Thomas. Vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. Je vais vous donner un nom et un prénom. Josiane Herman. Josiane Herman a été la millionième. La millionième quoi ? Josiane Herman, qui habite la région d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes, mais qui est ch'ti au départ. La millionième gagnante du loto. Non, 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 non. Millionième, c'est pas rien, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc. La centenaire d'un avion. Centenaire. Non, centenaire, non. Bon, la millionième. Est-ce qu'elle a été la millionième à gagner quelque chose? Au final, elle a gagné quelque chose, mais C'est parce qu'elle était la millionième. Exactement. C'était pas le but. Visiteuse du Louvre. Alors, c'est-à-dire, plus précisément. Visiteuse du musée du Louvre depuis sa rénovation. Ce n'est pas suffisant. Le musée Louvre-Lens. Du musée Louvre-Lens. Bonne réponse de Stevie. Et elle a gagné quoi? Un Picasso? Non, elle n'a pas gagné un Picasso. Elle a gagné le Delacroix qui a été tagué. Non, mais elle a gagné une entrée à vie au Louvre-Lens. Ça, c'est cool, ça. C'est quand même pas mal. Ah oui. Bah oui, c'est sympa. Et c'est vrai qu'un million de visiteurs au Louvre du Nord, c'est quand même énorme. Je ne vous sentais pas sur le coup, non, Marina et Thomas. Pas là, ouais. Vous n'étiez pas là. Je crois que j'ai pas eu l'info. Moi, je suis là, mais elle était trop difficile. Oui, et puis il y a la distance aussi, hein, Toulouse, Lens. Oh, enfin, il suffisait de taper le nom que je vous ai donné sur Internet et je suis sûr que vous trouviez quand même. Ah, il n'y a rien qui est sorti, même non pas. Josiane Herman n'est pas sortie. Ah ben maintenant, ils vont vous engueuler parce que ça ne sort pas en première ligne sur Google quand vous tapez Josiane Herman. Ah, mais ça dépend comment on écrit Herman aussi, c'est ça le problème. H-E-R-M-A-N-D, Josiane Herman, qui habite la région d'Antibes, qui a traversé la France pour venir découvrir le musée du Louvre-Lens, a été la millionième visiteuse, ce qui veut dire que c'est un gros, gros succès pour le Louvre décentralisé. Moi, j'aimerais bien voir Orsay au Mans. Orsay au Mans. Non, mais... l'autre, t'as qu'à demander, chérie. Il y a déjà le voir à Paris, on en parlera. On fait deux, trois travaux. Il y a déjà la Joconde, vous avez déjà la Joconde dans votre cuisine. On peut pas tout décentraliser. Oh là, j'aimerais avoir la Victoire de Samothrace. Ah oui. Oh là là, j'en rêve de mettre ça dans mon jardin. Dans le salon des colonnades. Et tout. Tes nains de jardin les apportent pas dans la galerie du Louvre. Les nains de jardin de Stevie. Non, mais écoutez, Stevie. Mais c'est vrai. Vous avez la folie des grandeurs, méfiez-vous. Mais je sais. Il est quelle heure, monseigneur? Non, mais c'est vrai. Ah, dès que tu deviens patron de boîte, dès que tu deviens patron de boîte, après, t'as ton nom sur ton parking. Ah non, absolument pas. J'y vais à pied. Je suis pas très voiture, mon cher. Au Mans, les gens disent on va en boîte chez Stevie, oui. Non, on va à la loge. Ils disent surtout je me ferai bien enculer. C'est toujours fermé en semaine, ça nous fait le week-end. Vendredi et samedi, mon voilà, cher ami. Le reste du temps, fermé. Le reste du temps, nous sommes fermés. On peut dire au revoir à Marina et Thomas et les embrasser. Avant de dire au revoir, est-ce qu'il serait possible d'avoir des places de spectacle sur Toulouse? Des places de spectacle sur Toulouse? Faut y connaître quelqu'un qui passe à Toulouse. C'est pas compliqué, vous allez à l'office de tourisme de Toulouse. Ou sur Bire-et-Duc, et ça marche très bien. Non, mais alors là, franchement, je ne sais pas qui passe à Toulouse dans les jours prochains, mais on va regarder. Au cas où, promis, on vous envoie des places, mais je peux pas vous promettre parce que je n'ai pas en tête évidemment tout le planning des artistes qui participent à l'émission, Jean-Marie Bigard ou de mes camarades Grégorio ou Gaspard Proust, mais promis, s'ils passent par Toulouse, vous aurez deux places. Je peux pas faire mieux. Oui, c'est super, je vous remercie. Et l'info de Yann, c'est que Jean-François Direct ne passe pas à Toulouse. On vous embrasse, Marina et Thomas. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Visuellement, je ne suis pas capable de dire ce que c'est. Eh bien, écoutez, c'est on pourrait croire que c'est une crêpe, mais avec du vomi à l'intérieur. C'est crêpe au vomi. C'est une crêpe, mais il n'y a pas de farine. C'est quoi ça, c'est Jérôme? C'est une crêpe, ça s'appelle le caluc. En fait, aujourd'hui, je voudrais vous faire double thème. C'est du local, bizarre. Du français, du régional, du locavore, du made in France, tu vois le genre, et la Saint-Valentin. Donc, il y a un truc international qui s'appelle le deep food. En gros, tu n'utilises pas de fourchette, tu manges avec les doigts, c'est les sushis, c'est les hamburgers. Ouais, deep, ça veut dire trempé. Me dis pas que c'est de la crêpe aux algues vertes de Bretagne. C'est de la crêpe, c'est toute sorte de wrap. Un wrap. Tout le monde fait du wrap. Dans l'Aveyron, on connaissait depuis très longtemps le wrap. Ça s'appelle le farfelu en occitan. Ça veut dire un petit peu le farfelu, le calu.
vue. La vue. C'est une crêpe, donc, mais il n'y a pas de farine dedans. C'est à base de persil, d'épinards et d'échalotes. C'est pas mauvais. Ça ressemble un petit peu au pescadou, pour ceux qui parlent catalan. C'est un restaurant. C'est un restaurant qui s'appelle le Pescadou qui vous a offert qui s'appelle le Caluc. Le Caluc. Rue des Petites Écuries. Ouais, ouais. Mais alors, ça a goût d'andouille. C'est drôle. Alors, une fois que tu as ce wrap. Peut-être vous êtes mordu le doigt, non? Non. Non, mais la chercher, je la trouvais pas. Je me suis mordu la langue hier. Ça doit être ça, à mon avis. Regarde, j'ai un trou dans ma langue. Alors, parce que vous avez, une fois que vous avez fait ce rap, et arrêtons de dire rap, sauf si vous voulez faire manchouille, dedans, vous voyez ce que vous voulez. Alors donc, il y en a certains d'entre vous qui ont canard, qui ont magret fumé, haricot, arrête de tousser, compoté d'agneau au cassis. Il y en a un autre qui a poulet, et un autre qui a andouille. Là, vous avez normalement, voilà. Il y a quoi au cassis? Vous êtes sacré, il est en train de mourir. Non, il n'y a pas de cassis. Là, il a goûté andouille, c'est-à-dire andouille de vire émincée de chou. J'en ai connu des intoxications collectives, mais comme celle-là. Il y a du cheddar nature, des feuilles pas de mâche, demain. De la moutarde à l'ancienne. En même temps, quand tu vomis, ça ressemble à ce que tu manges. T'as même un caluc pour les végétariens. Mozzarella, caviar d'auberge. C'est pas mauvais. C'est pas joli, mais c'est pas mauvais. Voilà, on peut faire un deep food français. C'est de l'Aveyron. Moi, j'ai de la figue dedans, c'est bon. Oui, un petit peu comme ça, tu vois, ça relève les trucs. Mais je vous conseille le restaurant. Pourquoi c'est vert? Je comprends pas pourquoi c'est vert. Je répète, parce que c'est comme il une question. Il a dit persil et poireau. Persil, épinard, échalote. Épinard. Pas de farine. Pardon. C'est malin. Mais lié à l'œuf. C'est bon. Ouais, lié à l'œuf. C'est une petite omelette, en fait. Ouais, c'est un peu, voilà, c'est un wrap à la française. On continue dans le Made in France. Allez. Voici du miel. Très sympa, très dur. De nos régions. Vous allez de plus en plus dans les supermarchés, vous avez vu qu'il y a de plus en plus un assortiment régional. Le type qui habite à Carrefour de Montesson, eh ben la salade, il y a le mec, tiens, c'est monsieur Émile. Ah, tu continues à y faire tes courses. Ouais. Magnifique, il est. Mais non, mais il y a pas que j'en ai jamais remis hein. Non mais Leclerc fait ça. Carrefour de Montesson. En gros, tu as les AOC, les IGP, tu sais, d'où ça vient, les appellations. Et là, c'est le miel, c'est Monoprix qui sort ça, avec une association. La photo de l'agriculteur, en plus. Voilà, il est pas mal, celui-là. Apiculteur. Apiculteur. Ah, oui. C'est une association d'apiculteurs qui veulent, un... Joyeux culteur. Bon, moi, j'arrête, hein, vous m'emmerdez, hein, j'en ai marre. Mais non, mais écoute. Bah, vous me perturbez. Mais c'est moi qui ai pris dans la tronche depuis le début de l'émission, tu prends un peu le relais. Voilà, mais alors, moi, quand je prends et je prends bien. Mais non. Avec les grandes oreilles que vous avez. Oh, vous, bah, ça y est, maintenant j'ai des grandes dents, j'ai des grandes oreilles. Ah, bah, vous avez des grandes oreilles. J'ai jamais pour mieux vous écouter, mon enfant. J'ai jamais osé vous le dire, Stevie, mais vous avez des très grandes oreilles. Non. Oh, bah ça y est. Oh, non, je trouve pas. Et on peut faire un pot de miel avec ou pas? Oh, mes oreilles sont mignonnes. Non, elles sont mignonnes. Non, c'est pour mieux faire des copeaux, mon enfant. Robocop. La meilleure réaction, juste un instant, je reviens sur mon miel parce que c'est important. Oui. C'est une assoce qui s'appelle les Compagnons du Miel. C'est une loi de 1900, une assoce. Eux, ils disent, faut qu'on protège l'abeille, faut qu'on développe la biodiversité. Et donc, ils ont fait une assoce pour réhabiliter le bon miel, le vrai bon miel. Jérôme, et en même temps, ils aident les abeilles et la pollinisation. Monsieur Jérôme, est-ce qu'il est vrai que 90% du miel que l'on mange en France vient des pays de l'Est? Exact. Et puis c'est souvent du faux miel. Paraît que le côté miel d'acacia, miel de machin, miel de truc, il paraît que c'est un peu de la foutaise. On retrouve pas très bien. Ils sont tous assez souvent mélangés. Ah, justement. Normal. Là, c'est bonjour. Ça vient des Russes, les abeilles. C'est vrai. Oh mon Dieu. Et il y a du faux miel. Oh mon Dieu. Il est en forme. Là, t'es sûr que c'est un vrai bon miel. Ouais, ça voilà. Voilà. Il a pas l'IGP encore. Il a pas l'OSE, mais il devrait l'avoir. Et c'est signé, tamponné. La photo du type est là. Ça vient de la Charente. Et il triche pas. On peut commander par internet. Si vous le désirez, vous faites monoprix.fr, j'en sais rien moi. Là, il y a le miel des Charentes, il y a également le miel de Provence. Dans leur assoce, ils sont un petit peu partout en France. J'ai un autre truc encore à vous proposer. J'ai reçu un miel. D'un ami russe. C'est bientôt la Saint-Valentin. Oui. Et plutôt que de faire des cadeaux à la con, et si vous offriez du chocolat un peu made in France, regardez. Mais ça, tous les ans, on y a le droit à ces conneries-là. Ouais, et bah Ruquier, on t'aime. Ouais, c'est si t'en veux pas, je le prends. Hein. C'est Jadis et Gourmande qui a fait ça depuis 25 ans. Je le refais tous les ans depuis 25 ans. Alors. Mais ça fait toujours plaisir. Bon, il n'y a pas que ça. Regardez. Merci, Jadis et Gourmande. Il n'y a pas que ça. Jadis et Gourmande, ils innovent. Le coup avec les lettres, tu sais, tu écris des lettres et tu mets le message que tu veux. En chocolat. Ça, c'est plutôt pour Yann Moix. Ça coûte quand même entre 20 et 40 euros. Hein. Mais c'est cher aussi. Mais l'autre idée, piquable d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'exclusivité, c'est pour une Saint-Valentin romantique et délicate. Vous ouvrez et il y a, oh,
un livre et du chocolat. Oh, c'est dingue. Et c'est quoi le livre ? Alors vous mettez ce que vous voulez, mais Macha Meryl, là j'ai mis. Faut vraiment aimer le chocolat. Faudrait mettre le Kama Sutra. Alors bah, j'ai mis Histoire d'eau. Mais si tu es amoureux d'elle ou de lui, j'en ai un autre ici où j'ai mis les plus belles lettres d'amour. Il y a Stéphane Zweig aussi, lettre d'une inconnue. Oh, ah, c'est bien. Pour se ramasser un vent, ton truc là. Jadis et gourmande, voilà, donc sur jadisetgourmande.fr. Voilà. Bon, c'est bientôt la Saint-Valentin. Est-ce que vous avez préparé la Saint-Valentin ? Je vous rappelle que vous n'avez plus que 9 jours. Heureusement, il est arrivé un truc assez malin. Si vous arrivez un petit peu en retard, là aussi, je vous l'ai présenté l'an dernier, mais vous ne l'aviez pas du tout aimé. Je remets sur le tapis. Oh bah. Calendrier de l'amour. C'est un cœur en carton, 20 cm de haut. Comme une boîte de chocolat un peu. Comme un truc de l'Avent ? C'est un peu le calendrier de l'Avent, tu as tout compris. Oh, donnez à Caroline, donnez il a compris Caroline. Tout de suite. Tu as 15 petits trucs, tu sais, tu enlèves les petits cartons. Il y a 15 trous. Voilà, 15 trous. 15 petits trous. Et à l'intérieur, il y a des petits cœurs. Des petits cœurs dans lesquels tu auras écrit une promesse. 15 jours avant, ce soir, je vais te faire la vaisselle. Après, ce soir, demain, je vais te faire l'amour. Voilà, ça tourne comme ça. Je suis nul, tout ça. Passez-moi le fer à repasser plutôt. Un fer à repasser de Pont-l'Évêque. Ouais. Mais pour repasser le chocolat. Ah. Non. Mais ça laisse pas d'odeur sur les vêtements. Pont-l'Évêque. Pont-Évêque. Pont-Évêque. C'est un fer à repasser anti-calcaire, made in France. Pierre Pêcheur, Marie Dutroux, elle s'appelle comme ça, c'est pas de sa faute, sont deux ouvrières françaises de Pont-Évêque. Donnez à Caroline le fer à repasser. Et c'est. Bah, sans déconner, moi je le veux bien. Hein. Il est anti-calcaire, il est vachement pratique. Ah, tu mets de l'eau dedans, même très très calcaire, t'as pas besoin de la filtrer avant, t'as pas besoin d'acheter des machins et trucs. Ça piège directement le calcaire à l'intérieur. Oh. Et la semaine est anti-glissante, et puis etc, etc, etc. Mais je voudrais insister sur le fait que Montebourg fait des édiles et fait des émules, et c'est un fer à repasser, alors qu'avant on trouvait que du Made in China. Celui-là, il est fait dans l'Isère. Et lorsque vous repasserez, vous penserez à Marie Dutroux. Marie Dutroux. Un drone pour terminer. Oh, je l'ai oublié. Non, mais j'ai deux objets connectés. Ah. On en parle, tu sais, depuis Las Vegas. Les objets connectés, de plus en plus. Une baguette de sourcier. Ça ressemble à une baguette de sourcier. C'est une sorte de petit roseau comme ça. Ouais. Non. Un lance-pierre. C'est ta viande des choses, non ? Non, c'est pas un lance-pierre. C'est tu le plantes dans ton pot de fleurs. Tu as mis la petite pile à l'intérieur, tu as branché ton iPhone et il rigole. Oui, c'est la marrant, petite pile à l'intérieur qui fait. T'as une petite pile qui fait qu'il clignote et qui t'envoie par Bluetooth le signal à ton iPhone pour te dire viens m'arroser. La plante a besoin d'eau. Ou bien, ouais, viens m'arroser. Non, mais attends, bien, si t'as 50 plantes chez toi, oui, t'as 50 trucs comme ça, ça bip. Ça bip en permanence. Tu peux en avoir 50 pour ça. Mais l'intéressant est que tu le plantes dans le géranium. Eh bien, tu dis à ton iPhone, l'application gratuite qui va avec, c'est un géranium, il va faire en fonction des besoins d'eau, de sels minéraux et d'engrais du géranium. D'un géranium, il connaît les géraniums. Il connaît les géraniums, il a 6000 plantes dans son répertoire. L'appli a 6000 plantes dans son répertoire. Dans un instant, Paul Vermus. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors d'abord, tout sur le groupe Fauve, mon cher Paul. Quel est leur attaché de presse ? Quelle stratégie de com' fait que depuis 15 jours, on ne voit plus qu'eux sans les voir, puisqu'ils ne se montrent pas. Mais enfin, quand même, il y a des pages entières dans tous les magazines, dans tous les quotidiens. On ne peut pas échapper à ce groupe Fauve qu'on ne connaissait pas il y a 15 jours. On ne peut pas me faire croire que tout ça est dû au hasard. Vous allez voir. En fait, tout est flou chez eux, même leur façon de fonctionner. Mais je vais vous dévoiler leur système. Hein. C'est une mécanique qui rappelle, pour les gens qui ont un peu de culture, les utopistes du 19e siècle, une sorte de modèle idéaliste. Alors d'abord, je vous explique, vous allez voir, c'est assez simple. Et j'ai trouvé vraiment ce que personne n'a encore dit. On sait que c'est un collectif avec chanteurs, guitaristes, bassistes, batteurs, vidéastes. Tous des Parisiens, fils de bourgeois, hein, de bonne famille. Mais c'est un collectif qui fonctionne, Laurent, comme une coopérative qui va jusqu'à 20 personnes. Et dans cette coopérative, il y a des graphistes, il y a des managers, il y a des ingénieurs du son, il y a des comptables. C'est un système communautaire qui pratique une communication plutôt artisanale. Alors vous avez posé les bonnes questions, Laurent. Il y a des maisons de disques dont Barclay qui les ont approchées, mais sans succès. Fauve, c'est un écosystème autonome et indépendant. La preuve, ils ont leur propre label qui s'appelle Fauve Corp. Corp comme corporation. Hein, d'accord. Paul, mais il y a bien quelqu'un qui a appelé les magazines, les journaux pour dire, est-ce que vous pourriez pas faire deux pages, trois pages sur Fauve ? Non, tout est passé par les réseaux sociaux. Y a non, pas c'est pas possible. Presse, c'est pas possible. Pas possible en deux semaines de temps, dans tous les journaux, dans tous les magazines, d'un seul coup. Tout ça en même temps. Tout ça en même temps, il y a bien quelqu'un qui orchestre la communication. Mais bien sûr, tout s'orchestre.
Nous, dans le disque, il y a 30 ans, on sortait, vous savez, des faux vinyles soi-disant piratés qu'on envoyait aux boîtes de nuit bien avant la sortie, genre qui étaient volés pour qu'ils passent. On fait monter c'était des c'était ça, ma question, ça, Paul. Qui s'occupe Laurent, de ça Laurent, je vous assure, j'ai vraiment enquêté. Là, je suis sérieux, 20 secondes, on a le droit d'être sérieux. Il n'y a pas d'attaché de presse, il n'y a pas de partenariat. Ils font tout eux-mêmes, les badges, les autocollants. Il n'y a pas de campagne d'affichage. Les concerts sont à petit prix, c'est à 23 euros. D'accord, ça se Paul. Joue à fermé. Je suis d'accord avec vous, tout ça, je veux bien. Mais il y a quand même une curiosité à constater que depuis deux semaines, d'un coup, d'un seul, tous les journaux se seraient mis d'accord ensemble pour qu'au même moment, alors, ils fassent des papiers, des articles, des pages entières. Il y a une communication concertée. Il y a une, voilà, une communication concertée. Vous donc il y a bien quelqu'un qui s'occupe de ça. Non, c'est pas possible, il ne faut pas me faire croire n'importe quoi. Non, attendez. Écoutez-moi et ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Parce que mais personne ne tenait à Paul. Je vais vous dire une chose, non. Il y a 20 personnes. Sur ces 20 personnes, il y a forcément quelqu'un chargé de la communication. Et je vous signale qu'il y a un disque qui sort dans les jours qui viennent. Oui, les jours d'hier. Mais justement. Un disque qui sort dans les jours. Raison de plus. Il est sorti hier, pas dans les jours qui viennent. Arrête. Raison de plus. C'est justement parce qu'il y a un disque qui sort, qui font le Bataclan, d'un seul coup, d'un seul. Tous les journaux, tous les magazines se donnent le mot et disent tiens, bah finalement, on va faire quatre pages sur Fauve. Paul, quand on échoue dans une enquête, ça n'est pas grave, juste de le reconnaître. Non, je ne veux pas avouer l'échec, là. Je vais même vous donner une information supplémentaire pour vous dire que ce groupe n'est pas comme les autres. Ils sont tous payés 1 700 euros par mois. Oui, mais c'était pas ma question. Ils se sont même retrouvés, Laurent, écoutez-moi, avec leur carte bancaire bloquée. S'ils avaient eu une majeure compagnie pour les soutenir, ils auraient tous des golds. Mais non, mais tu connais rien à la musique, mon pauvre. Bon, écoutez, ni au monde du disque. Ni à l'argent. Ça serait autrement, ils seraient pas là à faire une piche chez nous. Apollo. Oui, Laurent. Fauve, c'est fini. On oublie passer à Nelson Mandela et à l'héritage de 3 millions qui a surpris certains commentateurs qui disent bah alors, où est-ce qu'il a gagné cet argent? Comment et d'où ça vient? Bon, alors, il faut être précis. C'est d'abord. C'est lui qui dit ça. Le mec a de l'humour. Bah oui, j'en ai connu des mecs drôles, mais pas le Vermus qui dit il faut être précis. Non, Laurent. Quand vous dites 3 millions, moi je dirais 46 millions de rands, c'est la monnaie locale. Ou si vous voulez, peut-être 4,1 millions. Ah, le mec a fait la traduction, tu vas nous le faire le retour de Krasuki. Ouais. 4,1 millions $. Bon, alors, c'est vrai que c'est 3 millions d'euros, mais je voulais dire 46 millions de rands, c'est bien de le dire. Alors maintenant, on va être très précis, Laurent, et je le répète. Le prix Nobel de la paix, c'est un chèque de 990 000 euros. Ah oui, quand même. Il y a quelques années. Vous êtes d'accord? Ah, d'accord. Pendant 27 ans, il était en prison. Il n'a pas gagné un copec. Enfin, il n'a pas gagné un round. Il n'a pas dépensé non plus. C'est exact. C'est beaucoup de bon sens. Hein, d'accord. Il a publié quelques livres, comme Un long chemin vers la liberté, Conversation, Le temps perdu. Ce sont tous des best-sellers aux États-Unis et en Afrique du Sud qui lui ont rapporté 672 000 euros. À cela s'ajoute, Laurent, les royalties des t-shirts Mandela. Une émission de télé-réalité en famille, touchée à chaque diffusion d'émission de l'argent. Le lancement d'une marque de vêtements, 46664, c'est le nom de la marque, c'est le numéro de matricule de prisonnier de Mandela. Sa retraite d'ancien président de la République sud-africaine pendant 15 ans, retraite qu'il n'a pas touchée, hein. Alors, pourquoi vous la mettez dedans, alors? Il a 5000 euros de retraite d'ancien président. Vous multipliez 5000 euros par 12 mois sur 15 ans, ça fait de l'argent. Voilà ce que j'essaie de vous faire comprendre. Bien sûr, mon cher Paul. Ah, vous avez compris. Mais oui. Il a sa demeure dans le quartier fortuné de Johannesburg. Il était marié en communauté avec la belle Gracia Machel, qui, elle, avait 4 propriétés en Mozambique. Donc, les 4 propriétés, c'était à eux deux. Donc, elle va les retrouver, mais c'était à eux deux. C'est Jean-Marc qui vous a raconté tout ça, votre cousin? Et oui, il y a la maison de Cunu, près de l'endroit de Cunu, où il est enterré, et la maison de Matata, qui est juste à côté de Cunu. Et puis, il faut dire une petite précision quand même, il avait une grande affection pour sa secrétaire, la grosse Zelda. La grosse Zelda. Ah oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, je suis navré. Hein. La grosse Zelda. Elle a hérité de 50 000 euros. Parlez-moi maintenant de ce film étonnant, dont on peut voir l'affiche dans Libération ce matin. Quel est ce film intitulé La Quepa sur la Vilni, panique sur la ville, si on reprend toutes les lettres et qu'on les met dans l'ordre, avec, c'est ça qui est étonnant, une affiche vraiment originale, Bernard Hinault, Bernard Menez et le chanteur Christophe. C'est une blague. Si vous voulez tout savoir, Laurent, d'abord, ça sort le 12 février, sont deux courts-métrages accolés. Court-métrage signé Yann Lekelec. Alors, qui est Yann Lekelec? C'est un prof à la Fémis qui est auteur de BD. Hein. Alors, le premier court-métrage s'appelle, et vous ne l'avez pas vu sur l'affiche, mais s'appelle « Je sens le beat ». B-E-A-T,
EAT en moi, c'est-à-dire je sens le rythme en moi, hein, pour ceux qui ne comprendraient pas. Merci. C'est la rencontre d'une fille aux formes irrésistibles qui danse avec un foot de soul music. Vous voyez, c'est très la grosse part. Zelda. Ça, c'est le premier, il faut le dire. Et le deuxième court-métrage, Panique sur la ville, hein, c'est l'histoire du maire d'une bourgade reculée dans les Corbières, qui est interprété par le chanteur Christophe. Hein. C'est la première fois qu'il va jouer, non, au cinéma, Christophe ? C'est quasiment son premier rôle, il a fait de brèves apparitions. Alors, il ne bouge pas, et dans le film, il est en costume blanc avec un œil, il ne bouge pas. Et alors, le maire de ce petit village perdu fait appel au facteur à la retraite, Bernard Menez, l'acteur fétiche de Pascal Thomas, hein, de Jacques Rosier, pour organiser une équipe de cyclistes hommes sandwich. Chacun des hommes sandwich a derrière son dos la lettre, une lettre. Et ensuite, si on met les lettres dans l'ordre, on retrouve le titre du film. Et pourquoi il y a une équipe de cyclistes hommes sandwich ? C'est pour la réouverture d'un cinéma de village. Voilà. Alors, parmi les cyclistes, il y a le fantôme de Bernard Hinault, joué par Bernard Hinault. Alors bon, c'est un film, c'est une sorte de nouvelle vague de la nouvelle vague, Laurent. Dans les dialogues du film, on trouve des phrases du style « Le vélo, c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas ». Vous voyez, des phrases mémorables. Hein. Vous nous donnez drôlement envie d'y aller, là, Paul. Ouais, mais j'ai pas compris. C'est un long métrage. Non, c'est deux cours. Ce film est le film le moins cher de l'année, à la production. Il est produit par la région Languedoc-Roussillon, le Conseil général de l'Aude, Carcassonne. Menez a touché un cachet qui est même inférieur à 10 000 euros. Bon, c'est fantaisiste, c'est onirique, c'est une sorte d'arlequinade. Ça n'a pas l'air de vous passionner, Paul. Ben, je ne veux pas vous passionner, mais je ne vous demande pas d'aller le voir. Je vais regarder le film pour vous faire plaisir. Sans rire. Je vais regarder, j'ai perdu exactement... Enfin, ce n'est pas très long d'ailleurs. Hein. Le film, il fait 1h10. Enfin, les deux films, 1h10. Et alors ? Ça sort dans toute la France. Et alors quoi ? Et alors, vous l'avez vraiment regardé ? Mentez pas. Je l'ai vraiment regardé, je peux même vous dire que c'est en couleur. Ouf ! Quel scoop ! Je suis d'avis avec Christine Bravo. Ah non, mais quel... Non, non, mais honnêtement, c'est underground, c'est très contemporain, bien que... C'est comparable à rien, Laurent. C'est difficile à vous dire, mais c'est du nouveau cinéma. Quoi. Un peu c'est comme vous, Paul. Vous n'êtes comparable à rien. Merci. C'était pas un compliment. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Vous répondez à ces questions par oui ou par non. Et ils vont donc, évidemment, tenter de vous identifier. C'est parti. Vous êtes un homme? Non. Ah, bah bonjour. Bon, alors écoutez, je suis ravi que vous soyez là, mais j'ai une petite déception. Je savais que Bradley Cooper était à Paris. J'aurais aimé qu'il soit dans la loge d'honneur. Eh bien, il parle français, il aurait pu dire oui ou non. Non, ce n'est pas Bradley Cooper. Français? Oui. Vous venez souvent dans la loge d'honneur? Française, alors, Jérôme, parce qu'on vient d'apprendre que c'était une femme qui était dans notre loge. Est-ce que vous êtes une femme qui passait des heures et des heures et des heures et des heures dans la salle de bain? Pas du tout. Faites du Vélib? Non. Non. Vous avez des enfants? Non, pas entendu la réponse sur le Vélib. Du Vélib, non. Les... Alors, du Vélib, oui, mais des enfants, non. Les enfants. Du Vélib, oui, des enfants, non. Vous avez des enfants sur le Vélib? Est-ce que vous êtes une femme engagée? Oui. On connaît vos opinions politiques? Pas politiques. Vous avez des parents connus? Non. Engagée ONG? Vous avez un engagement pour l'écologie plutôt que l'homme? Plutôt pour l'homme, en général. Une cause? Non. Vous allez souvent au Louvre? Marraine? Pas assez. Est-ce que vous êtes obligé de porter un costume strict pour travailler? Ah non. Vous êtes plus une femme élégante? Pas tellement. Pas tellement? Pas tellement. Vous aimez faire rire? J'aime bien, mais j'ai rarement l'occasion. Vous êtes une fille Yves Rocher? Ouf! C'était Stevie, hein, il faut l'excuser. Ouais. Mais non, mais ça veut dire pas de chichi. Ou plutôt une femme Barbara Gould, peut-être. Non, mais Yves Rocher, quoi, c'est très rien, quoi. La sève des plantes. J'étais pas bien, tu sais. Bah, quoi, tu parles aux femmes. C'est la marque préférée. Bah, non, mais j'aime bien les femmes naturelles, pas de couleur de cheveux. Mais parce je te signale que chez Yves Rocher, tu as, je sais pas, 850 produits, tu peux te peinturlurer la gueule comme n'importe quelle connasse. Je comprends pas. Ça Stevie, c'est un garçon avant. Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux sociaux? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait une grosse dépression? Non. Vous avez déjà fait une tentative de suicide? Oh bah enfin, écoutez, non, c'est la journée nationale de prévention du suicide. Bah, c'est pour ça qu'on lui demande. D'accord. Et qui a répondu l'invité? Non. Est-ce que vous avez fait des études pour exercer la profession que vous faites aujourd'hui? J'ai fait des études, mais j'ai commencé mon métier en même temps, donc non. Vous êtes heureuse de vivre? Ah, je vois qui c'est. Vos parents, ils sont fiers de... Enfin, ils avaient un peu peur quand vous avez choisi le métier que vous avez là. Ils se disaient, oh là là, mon Dieu, c'est dangereux, ça n'a pas l'avenir, genre. Pas le métier, mais des fois, quand tu me trouves trop engagée, oui, ils peuvent avoir peur, oui. Est-ce que vous faites souvent la cuisine? Ah, non, pas du tout.
que vous faites une psychanalyse. L'image de la femme chez Stevie. Elle se maquille chez le rocher en arrêtant de cuisiner. Est-ce que vous avez déjà lu du Yann Moix? Ah. Ah. Ah, il va être content, Yann. Est-ce que vous avez aimé? Non, je sais pas. Ah. Est-ce que vous faites des arts martiaux, madame? Non, mais je devrais. Ah oui? Ah bon? Dit je devrais, dit-elle. Est-ce que vous faites du bateau? J'ai plus l'occasion, mais j'aimerais beaucoup. Oui. Voici un premier indice musical. C'est toujours agréable d'entendre Julien Clerc. C'était le premier indice. Et Yann Moix propose Isabelle Alonso. Êtes-vous Isabelle Alonso? Non, mais du côté de l'engagement, il faut creuser dans cette direction. Ah oui, c'est pas mal, Yann Moix. Ouais. Mais notre invité n'est pas Isabelle Nous Alonso. Avons entendu Julien Clerc qui chantait « Femme » parce que vous êtes féministe ou parce que vous êtes une femme qui aime les femmes? Les deux. Mmh. Bravo, Éric Longérias. Mmh. Voilà une bonne question et une bonne réponse. Mmh. Stevie. Vous êtes particulièrement attaché au 7 mars, alors? La journée de la femme. C'est le 8. C'est le 8. Mais effectivement, la veille, elle prépare. Elle prépare. Attends. Elle est très attachée. Ce que j'aime chez Stevie, c'est qu'il n'en rate pas une. Ça, c'est quand même formidable. Et avec une assurance touchante. Oui, c'est ça. Caroline Diamant propose Madame Najat Vallaud-Belkacem. Êtes-vous la porte-parole du gouvernement? Non. Éric Logérias propose la comédienne Anne Lenen, compagne de Muriel Robin. Non plus. Voici un deuxième indice musical. Réfléchissez bien, nous revenons dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors le monde, est-ce que tout va bien? Alors le monde, je n'y comprends plus rien. Alors le monde, prends soin de toi, alors le monde. Caroline Diamant, je ne sais pas si cet indice vous aide. Vous me proposez Nina Bouraoui, non? J'ai aussi une proposition de la part de Jérôme Bodaldi, c'est Aurélie Filippetti. Êtes-vous Aurélie Filippetti? Je suis pas politique, je suis engagée, mais je suis pas une femme politique. Pas de femme politique. Stevie propose. Alors ça, c'est très très drôle. Ouais, bah, allô le monde. Stevie propose Nabila. Mais non, mais allô le monde. Êtes-vous Nabila? On va dire l'opposé. L'opposé. Yann Moix, vous avez trouvé qui est dans la... Je suis ravi de l'avoir. C'est vrai? Ah oui, parfait. Beaucoup. Yann est le premier à vous avoir identifié. Bravo Yann Moix. Les autres continuent à chercher. Vous voulez un autre indice? Oui. Mais après... Marine, tu sais, ce soir ça va mal. J'ai trop de choses sur le cœur, donc il faudrait que l'on parle. Marine, si je m'adresse à toi ce soir, c'est que tu es pour quelque chose. T'as tout fait pour que ça foire. Marine, dans le pays de Marianne, y a l'amour, y a la guerre, mais aussi le mariage. Marine, pourquoi tu perpétues les traditions? Sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition? Ma haine est immense en ce soir de décembre. Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles, tu sais, moi je suis comme toi, je veux qu'on m'écoute, et tout comme toi. Vous aurez reconnu Diams, évidemment. Rick Logérias propose Amanda Sterz, c'est vous? Mais non, vous n'êtes pas Amanda Sterz, tout simplement. Caroline Diamant, Rachida Brakni, non plus. C'était pas con. C'est pas... Mais je n'ai jamais dit ça. On peut dire que votre profession est artistique? Logistique? Oh, le mec. C'est une profession logistique exactement, par exemple. Donnez-nous des exemples, Stevie. Eh ben, balayeur. Camionneuse. Est-ce que vous êtes camionneuse? Ah, je suis lesbienne, mais je suis pas camionneuse pour autant. Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. Est-ce que vous avez un lien avec l'édition? Oui. Stevie propose Annie Lemoine. Êtes-vous Annie Lemoine? Non plus. Est-ce qu'on peut dire Florence que... Artaud pour Jérôme Bonaldi, non plus. Ah bah si. Comment... Est-ce que le fait qu'on ait entendu Diam, c'est un rapport avec le Front National? Christine Orban, proposée par... alors, pas du tout, Caroline Diamant. Vous n'avez rien à voir avec Christine Orban. Non. Mais alors, attendez, moi, on peut chercher votre métier. Vous êtes éditrice uniquement? Non. Pas du tout. Pas uniquement éditrice.
je suis pas éditrice, mais j'ai un lien avec l'édition. Voici un autre indice. Stevie, il y a des miracles hein, dans la vie. Stevie vous a identifié, bravo Stevie. Merci. Ils sont deux seulement. Yann Moix et Stevie. Est-ce que vous êtes journaliste ? Oui, journaliste, oui. Eric Logérias a identifié notre invité. Ils sont donc maintenant trois. Et heureusement, Jérôme Bonaldi, qui est toujours sur le coup, propose Sophie Fontanelle. T'as pas des mortes, non ? Ce n'est pas Sophie Fontanelle. Un autre indice. Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Je ne dis pas non, mais là n'est pas mon dessein. Je n'en veux qu'à tes saints. Je ne veux parler qu'à tes saints. Non, Caroline Diamant, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, Elisabeth Lévy qui est dans la loge. Ah, mais je sais qui c'est. Ah, ben bravo alors. Ah bah, alors je crois qu'elle a un prénom ravissant. Ah, ben peut-être. Ah, mais oui. Caroline, à votre avis, elle a un prénom ravissant. Je pense qu'elle a un prénom sublime. Ah, oui, oui, bah bravo, Caroline Diamant. Effectivement, maintenant ils sont. Ah, peut-être qu'Yvan Le Bolloc va rejoindre le groupe. Oui. Pendant que Jérôme Bonaldi cherche toujours, peut-être qu'il va être le seul. Ah, bravo Yvan Le Bolloc, ça, ça fait plaisir. Fleur Pellerin. Elle a un prénom ravissant. Alors écoutez, les. Ouais, donnez-leur. Les, pas Simone Veil, Jérôme Arrête. Les deux qui auront la honte quand notre invité va rentrer dans le studio dans un instant seront Yvan Le Bolloc et Jérôme Bonaldi, puisque tous les autres ont identifié. Caroline Fourest. Caroline Fourest qui nous rejoint. Caroline Fourest est notre invitée. Elle publie chez Grasset ce livre qui porte le prénom de cette fémène qu'on commence à bien connaître chez nous en France, qui s'appelle Ina, qui est très très jolie. Je l'ai reçue sur mon plateau à quelques reprises et c'est vrai qu'elle a un charme et je veux dire un charisme très très étonnant. C'est pas par hasard qu'elle est, on va dire, leader des fémènes en France. Elle a le titre précis de... Non, il n'y a pas de titre précis, heureusement, encore chez les fémènes. Non, c'est y a plus informel. Présidente de l'association ou choses comme ça. Non, non, c'est plus informel que ça. Vraiment. C'est vrai, elles sont toutes à égalité. Ah non, elles sont pas toute égalité. Ah. Il y a une vraie leader qui a d'ailleurs pris le pouvoir après aussi quelques tiraillements que je raconte dans le livre. Oui. Bon, mais Ina, alors, elle, plus particulièrement, est très très jolie et vous êtes tombée sous le charme et vous avez eu envie de la raconter. Je devais la raconter de toute façon et le problème, c'est que je ne pouvais pas la raconter sans raconter effectivement notre relation qui est faite de disputes aussi et d'amour contrarié, mais qui éclaire aussi à la fois les coulisses de ce qu'on a vécu ensemble quand on s'est fait notamment tabasser par Civitas, mais aussi des disputes qu'on a pu avoir sur Notre-Dame ou autre. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez dit tout à l'heure que peut-être vous devriez faire du karaté. Mmh. Oui, c'est ça. Oui, je pense que vraiment, il faut que je m'y mette, mais d'urgence. Vous aviez vraiment pensé ? Non, vraiment, parce que ce week-end encore, par exemple, il y a des gros bras de néo-fascistes qui sont venus perturber la diffusion d'un film d'ailleurs sur FMN à Chambéry. Oui, franchement, ça devrait... Mais Notre-Dame, vous étiez pour ? Non, mais d'abord, il faut comprendre c'est une chose... De toute façon, Femen, c'est une provoque. Mais c'est une provoque. Idiote, conne, stupide, méchante, vulgaire. Non, méchante, imaginez que la Vierge Marie a fait un avortement et que... Alors là, vous mélangez la Madeleine et Notre-Dame, mais c'est pas grave. Peu importe. D'abord, une première chose. Les Femen ne disent jamais à personne, les actions qu'elles vont mener. Donc moi, je les découvre toujours après coup, comme tout le monde. Il se trouve qu'on a eu effectivement une grosse engueulade avec Ina, que je raconte dans le livre, sur Notre-Dame. Non pas parce que je pense que, sincèrement, il ne faut jamais provoquer l'Église catholique. Je pense que quand l'Église catholique, par exemple, se bat pour entrer de nouveau dans le corps des femmes, comme en Espagne en ce moment, où ils sont en train de faire pression pour faire reculer le droit à l'avortement, et ils vont l'obtenir... Une fémène, seins nus dans une église en Espagne, franchement, j'irai pas pleurer. Par contre, à Notre-Dame, le jour du vote pour le mariage pour tous, c'est-à-dire plutôt d'une victoire grâce à la laïcité, j'ai pas trouvé ça hyper pertinent. Vous essayez d'ailleurs de jouer les éléments modérateurs auprès d'elle. Oui, alors c'est peut-être que les gens vont pas comprendre ce qu'ils pensent assez radical, mais je vous assure qu'il faut découvrir Ina pour comprendre à quel point en fait je suis hyper modérée. C'est que moi j'ai passé un an et demi à essayer de l'acclimater au contexte laïque et démocratique français. Et effectivement, par moments, j'ai un peu échoué. Elle est pas du tout française, elle est russe, c'est ça ? Ukrainienne. Ukrainienne, mais elle parle russe. Mais vous lui apprenez, enfin vous lui, elle parle français maintenant aujourd'hui. Ah non, tout ça, on a toutes nos disputes et les non-disputes étaient en anglais. Ah, oh, c'est génial. Yann Moix, pourquoi vous êtes particulièrement heureux de recevoir Caroline Fourest ? Un petit peu, et puis elle se trompe jamais de combat, si vous voulez, c'est une sorte de...
de vaccins pour tous les maux de la société, l'antisémitisme, le racisme, mais avec beaucoup d'énergie, d'intelligence et beaucoup d'énergie surtout. Quoi. Elle est toujours là et toujours là où on l'attend justement. Il y a des gens qui sont jamais là où on les attend ou des gens qui sont toujours là où on les attend pas. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'elle est toujours là où on l'attend et toujours fidèle au poste. Trop parfois, certains vous le reprochent de tomber peut-être dans un côté caricatural des combats. Bah, je, sincèrement, c'est toujours le truc qui revient pas. Sur vous. Non, c'est plus que j'ai beaucoup trop d'adversaires, ça on est d'accord. Mais ah. Il se trouve que j'essaie justement, il y a deux solutions. Soit vous fâchez personne, soit vous essayez de faire comprendre qu'on peut fâcher à la fois par exemple les racistes et les intégristes et les islamistes. Et que vous ne voulez pas choisir, vous ne voulez pas faire en sorte que de ne pas combattre l'islamisme parce qu'il y a du racisme et vous ne voulez pas, à l'inverse, ne pas combattre les racistes parce qu'il y a des islamistes. Donc du coup, vous fâchez tout le monde et on vous dit, bah, vous en faites trop. Mais en fait, je pense au contraire que c'est une forme d'équilibre et même de nuance en réalité. Là, le fait de vous livrer vous-même, parce qu'au fond, vous parlez d'Ina, mais vous parlez de vous aussi dans ce livre, c'est quelque chose que vous n'aviez pas imaginé au départ. C'est venu en écrivant ? J'arrivais pas à l'écrire autrement et en fait, je me suis dit, bon, on a vécu des choses tellement romantique et tellement romanesque, tellement dur aussi, je vais tout raconter. Mais elle était d'accord pour ? À la fin, je vais me censurer peut-être. Elle était d'accord, honnêtement, oui, elle m'a donné un consentement originel. J'aurais jamais fait ce livre, j'aurais pas raconté toutes ces coulisses, en tout cas affectives, sans son consentement. Elle l'a lu. Elle l'a lu, mais je lui ai traduit en anglais, et puis après. Intégralement traduit, ou elle a sauté quelques pages. Puis... Elle n'aime pas tout, parce qu'elle m'a donné l'autorisation, y compris de dire des choses très très dures sur elle, très très dures sur les femmes, qui sont d'ailleurs assez fâchées contre le livre. Et je ne l'aurais pas caché, je leur ai dit, je vais être dure, ce que j'ai à vous reprocher, je vais le dire. Caroline Fourest publie Ina, c'est chez Grasset, elle reste avec nous. Évidemment jusqu'à 18h30. Caroline Fourest est notre invitée d'honneur. Elle publie Ina. Ina, c'est la jolie fémène blonde. Vous avez choisi la belle photo, il faut dire, sur la couve du bouquin. Est-ce que c'est elle qui est sur les timbres ? Alors, la Marianne. La nouvelle Marianne, qui a été dessinée par Olivier Ciappa, effectivement, Olivier a dit qu'il s'était entre autres inspiré d'Ina, oui. Mais les fémènes, vous pensez qu'aujourd'hui elles ont ringardisé les autres féministes ? Ou est-ce que vous pensez vraiment que c'est le mouvement numéro un des femmes aujourd'hui ? C'est le mouvement qui a remis le féminisme dans la rue, voilà, qui en a refait un combat de rue. Maintenant, c'est aussi une des trames du livre. Moi, je pense qu'on ne peut pas simplement faire des actions de rue sans avoir la générosité de se défendre par les mots, de convaincre. Et donc, du coup, évidemment que non. Les fémènes, à elles seules, ne peuvent pas porter sur leurs épaules tout le féminisme, bien sûr. Mais en tout cas, ils ont réussi à médiatiser leur combat. Incontestablement. Il faut quand même se dire qu'elles partent d'Ukraine, où elles se sont battues seules pendant des années, d'abord en t-shirt. Hein. Au début, elles avaient des t-shirts roses et puis après, elles les ont enlevés. Elles ont enlevé ces t-shirts pour attirer l'attention du monde entier sur la situation des femmes en Ukraine qui ont l'impression d'être soit destinées à se marier, soit destinées à se prostituer. Et elles ont réussi à internationaliser leur combat de façon incroyable, jusqu'à changer le cours de l'histoire en Tunisie avec Amina, en dénonçant le sort des prisonniers politiques, mais jusqu'à prendre des risques incroyables. Ina, je le raconte aussi longuement, a été jusqu'à attaquer avec deux autres fémènes, le siège du KGB en Biélorussie. Je ne sais pas si vous imaginez ce que elles c'est. Elles sont très courageuses. Elles ont été torturées toute une nuit. Mais c'est les deux. Le courage, c'est une forme d'inconscience. Oui. Quand les fémènes sont allées devant le siège du KGB en Biélorussie, elles ont simplement mimé une parodie du dictateur en place. Elles ont demandé la libération des prisonniers politiques seins nus. Elles ont été torturées toute une nuit. Et quand elles sont rentrées à Notre-Dame, on peut ne pas être d'accord, on peut dire que ce n'était pas dans un pays démocratique et laïque qu'elles pouvaient rester à l'extérieur. Mais elles n'ont quand même blessé personne. Et par contre, ils ont éteint la lumière à Notre-Dame. Et elles ont été tabassées par le service d'ordre, mais méchamment. Ouais. Je veux dire qu'il y a quand même aussi, là, il faut prendre la mesure des choses. Et la Madeleine, puisque Jérôme Bonaldi en parlait, le curé racontait que Héloïse, la fémène, s'était masturbée et avait uriné. Je ne sais pas de quelle vision sont venues c'est des visions sataniques, ça ne peut pas être autre chose, parce qu'en fait, elle a juste tendu les bras en croix, fait semblant de mimer un avortement, elle est ressortie. Donc voilà, il faut un tout petit peu remettre les choses en place, quoi. C'est chez Grasset, ça s'appelle Ina, c'est signé Caroline Fourest, mais je me dois, évidemment, d'expliquer les indices. Bon, le premier n'est pas à expliquer. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Allô le monde. C'est parce que vous avez évidemment travaillé au Monde. Travaillé pour ce journal. Nabila, à cause d'Allo. Il n'avait pas pris le Monde, il avait pris Allo. C'est un choix. Ensuite, Diams. La chanson s'appelle Marine, évidemment. J'allais dire, ça fait partie de vos autres combats. En fait, c'est le même. Oui, ah oui, c'est un combat unique. Oui, mais ça, c'est un combat contre ceux qui veulent diviser, discriminer, dominer. Il y en a pas mal.
Ça, c'est tout simplement une chanson de soutien aux Femmes. Mais qui est chantée par Héloïse, la Femmes qui est rentrée à la Madeleine, d'ailleurs. Claude Nougaro. Vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Je ne dis pas non, mais là n'est pas mon dessein. Je n'en veux qu'à tes saints. Je ne veux parler qu'à tes saints. Le fait de montrer sa poitrine quand on manifeste, par exemple, c'est une idée qu'elle n'avait donc pas dès le départ. Vous disiez au départ, elles étaient en t-shirt rose, mais c'est ce qui a fait là, beaucoup pour la médiatisation, évidemment. Ah oui, mais contrairement à ce qu'on pense, c'est un mouvement hyper réfléchi. Alors après, moi, je trouve que leur provocation, des fois, n'est pas assez précise, n'est pas assez maîtrisée. Mais néanmoins, c'est un mouvement qui vient du marxisme pur et dur en Ukraine. Elles ont réfléchi à toutes leurs tactiques très, très longtemps avant d'adopter ce mode d'action. Mais... Et Ina, ce qui est intéressant, je raconte dans le livre, Ina était férocement contre. C'est parce un peu trop Ina est incroyable. Ah oui, il y a quelque chose même de plus bolchevique encore que ça. Mais Ina est quelqu'un d'extrêmement pudique, extrêmement pudique. Et justement, je ne pouvais pas raconter le rapport à ces femmes qui ont transformé leur corps en armes sans parler du corps de la leader. Donc c'était très compliqué et c'est pour ça que j'ai dû finir par aussi me dénuder. Vous avez sans enquêté le sur le terrain. Exactement, je fais une enquête à preuve. Voilà. Ina, Caroline Fourest, c'est chez Grasset. Vous ne pouvez pas partir de cette émission, vous le savez, sans le compliment de Stevie. C'est une tradition. Je pense qu'il avait bien à commencer déjà. Hein. Mais il m'a déjà comparé à Nabila. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si ça, c'est pas une promotion non, dans non, la vie. Que, non, non, pour moi, c'est simple, vous êtes un peu l'équivalent de l'invention de la roue pour les lesbiennes. Pour les lesbiennes, elle est quand même incontournable. C'est un peu, elle prend pour tout le monde. Et la roue là-dedans. Et la roue prend. Mais non, mais et le compliment, oh, il est où là? C'est ça, mon compliment. Mais vous avez moi, pas je compris. Je vois très bien ce qu'il veut dire. Si, tu veux dire qu'elle est indispensable au combat. À la marche, à toutes les marches, pas seulement que lesbiennes d'ailleurs, guerre, ah oui, enfin, toutes les causes. Donc, il fallait dire. C'est aussi important qu'une roue pour faire avancer quelque chose. On a besoin d'une roue, tu vois. Et c'est la roue de la lesbiennitude. Enfin bon, bref. Elle est très écoutée. Si vous avez besoin d'un porte-parole, je crois que vous l'avez trouvé. Attendez. J'adore l'idée d'être comparée à une roue. Tant que c'est pas Nabila, tout me va. Ina, c'est chez Grasset, c'est signé Caroline Fourest. Merci.